Chapeau de forme. Salut Georges. Et salut. Alors. Alors attends, je finis juste un truc avec Paddy parce qu'il est avec, D'accord. avec une citoyenne. Donc il nous faut le nom de l'époux ou l'épouse avec sa carte d'identité. Il nous faut le nom et quoi, Oui. sa carte d'identité à elle. Voilà, si c'est un divorce, il nous faut juste sa carte d'identité à elle et la preuve du divorce. D'accord. Dans les deux, de toute façon, il nous faut forcément les deux. Si c'est un divorce, il faut qu'on puisse changer Et le du coup, pour nom prendre la des carte deux. d'identité, je fais comment? Faut que je fasse une Non, tu photocopie, c'est demandes. ça? Oui, tu demandes et tu fais une photocopie. Merde, moi je sais pas comment on fait cette connerie de photocopie, Oh c'est là où? là, j'y vais. Oh putain, Oh là franchement, là, Louis, tu vraiment. fêtes. T'as pas d'imagination, c'est un scandale. Alors si, j'ai une petite Je lui idée, dis que. mais... Je lui dis. Ok, m'en occupe ou pas? Ouais, vas-y, Non, vas-y, s'il te plaît. je vais Non, te. non, 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 Ah non, merde. non, non. Et ça, Bon, c'est interdit, hein. j'y vais, je vais Oh, me vous êtes débrouiller. des enfants ou quoi? Oui, Putain. ce sont des enfants. Mais... Bon, alors. Alors attends, je leur passe juste une engueulade par SMS et puis ça va bien se passer. Non mais je suis vraiment obligée d'envoyer ça par SMS quoi. On ne traite pas son collègue d'incapable devant les concitoyens. Non mais bordel de Ah, que veux-tu? je les aime bien, mais vraiment j'ai l'impression d'être une maman parfois. Alors moi, je me demande surtout, vu que c'est un mariage, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui est pour nous? Bah il faut juste que tu tires au clair si le mariage a toujours lieu parce que c'est dans 31 minutes. Alors, j'ai reçu un mail me disant de faire attention et me demandant si j'avais des oreilles sensibles. Donc apparemment, ça a l'air d'être le cas. Bon bah c'est bon au final. Finalement, parce que ça se dit pas au final. De quoi? Oui, ça se dit pas, non. Attends, je suis en train d'envoyer la même chose à Paddy. De quoi? T'as pas vu le SMS que je t'ai envoyé? Oula. Ne serait pas. Ah, mais non, mais j'allais pas le faire. C'est juste un petit tacle tranquillou, quoi. Ouais, je me méfie avec vous. Très clairement, je me méfie. Un tacle tranquillou, les deux pieds joints. À la jugulaire, oh Ouais, là là. directement, quoi. Ou alors je force les croisés, puis là, tant pis pour lui. Et ça y est, il a connecté ses deux neurones, il a compris comment il devait faire. Bah, il m'a dit que c'était bon. En plus, c'est qu'il a la carte d'identité parce qu'il s'est pas éloigné, donc tant mieux. Ok. Et du coup, t'as pu régler ton problème avec ton sonotone? Tu vas faire comment? T'as trouvé l'astuce? L'astuce, ça va être de me tenir le plus loin possible de la sono. Ça va être impossible. Alors, il faut savoir qu'une Pourquoi? fois, Qu'est-ce qui se passe? il y a eu un mariage où ils n'avaient pas prévenu qu'ils allaient mettre ce type Excuse-moi, de Georges. musique. Oh Ben, merde. je peux t'assurer que tu voyais ceux qui avaient les oreilles fragiles et les autres. Hein. Il y avait, Ah ouais? ah, il y avait une Sauf sorte, qu'il y a une ségrégation. il y avait une sorte d'aura autour de la scène où il n'y avait strictement personne. C'était assez magnifique. Bah, pas dû poser ta question, non? Je sais pas. Ah non, j'ai. Normalement, c'est bon, j'ai tout. Mais sinon, moi j'avais ce problème-là, mais. Hein. Donc, si jamais il y a besoin. Ah, Je suis la seule à pas avoir de problème d'oreille ici, quoi. Après, tu nous as dit que tu avais un problème de corde vocale, donc. Ah, moi j'ai plus rien Non, mais maintenant. ça va, j'ai compris. Ah, j'ai pas de J'ai problème compris. d'oreille. Moi, c'est le directeur. Comment il s'appelle? Du LSES, là. Monsieur Hitch? Non. Celui avant. Monsieur Lurquin? Ah non, celui avant. Brieflotte. Qui est chauve comme moi, là. Ouais. C'est lui qui m'a expliqué comment faire et tout. Ouais. Un crack. Voilà. Et clac, comment tu fais pour faire craquer les oreilles? Ah, c'est technique, hein. Ah voilà. Il y a des contre-tiges qui existent. Vraiment magnifique. La discussion n'a aucun sens. C'est magnifique. Bon, les potes.
Courage. On vous laisse surveiller la messagerie entreprise, étant donné que nous serons De mariage. en associatif ce soir. Oui, c'est bien compris. Parfait. Et en plus, il sera pas pour faire la blague de l'alliance, c'est parfait. A pas dit. Non. Je serais prêt pour dire que si vous cherchez un bon avocat, je reconnais un très bon pour le divorce. 20 ans. C'est compliqué. Non, vraiment quoi. Ça tue en fait. J'y vais. Ah bon, à ceux qui font ça. Hein. Bon, il faut te trouver une tenue. J'arrive pas à ça, ils sont divertissants en fatigant. Je suis pas très décidée. Ils sont les deux en fait. Je fais le même effet. Alors, c'est pas moi qu'il faut demander ça, hein, tu le sais bien, mais... est-ce que tu as pris de quoi manger? Oh, ça va être un peu just way. Attends, j'y vais. De toute façon, en vrai, on va y aller en voiture, non? Alors oui, on va y aller en voiture, mais le temps de la cérémonie, le temps que les gens arrivent... Oui, non, mais du coup, par rapport au trajet que tu prends, passer par la cuisine, finalement, c'est pas trop un détour. J'adore ton chapeau. Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est que moi aussi, je commence à l'aimer. C'est là le problème. C'est là que le bas blesse. Ah bah, c'est là où je vais pouvoir commencer à leur dire « Oui, alors en fait, j'ai perdu une partie de Monopoly. » Et depuis... J'ai hâte. Ou alors sinon, il y a une autre technique. C'est les gens ont décidé que j'étais trop proche de la population. Du coup, je me suis éloigné en me faisant passer pour un riche. Ou alors, tu l'as que la vérité. J'en avais marre d'être plus petit que ma mère adjointe, donc j'ai triché. Alors, techniquement, je pourrais le faire. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on prend comme véhicule? Je sais pas, t'as quoi? Ah, oh, tu veux prendre la Dominator? Éventuellement. Parce que là, j'avoue que, comme je suis en moto... Bon, allez, on va peut-être pas prendre la Dominator, mais on peut pas prendre ta moto, hein. Parce que je vais être en jupe à minima. C'est ce que je me dis. Bon bah du coup, Ranger, hein, on va avec le truc de la mairie, tant pis. Mais ça c'est le véhicule de la mairie. Eh oui. On peut pas aller... Eh ben y a pas ma shafter dans ce cas-là. Y a que la Dominator et je sais plus ce que t'avais d'autre. Bah non, c'est la shafter. T'es sûr que c'est la shafter? Parce que je crois pas du tout. Il y a ma shafter. Tu gardes le véhicule? Ok, je m'en charge. Malheureusement, je peux pas parce qu'on peut pas être deux dans le même dans le garage. Ah, c'est vrai, je prends toute la place dans le lit comme d'hab. Alors, techniquement, tu prends toute la place dans le lit parce que je n'essaie pas de venir te rejoindre non plus. Hein. Heureusement qu'on est que tous les deux, genre de conversation. Aïe aïe aïe. Par contre, il va peut-être falloir. J'allais dire passer au bénisme, mais il va être fermé là. Alors, il était censé fermer à partir de 17h30, mais je sais pas s'ils vont le rouvrir plus tard. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le rouvrir dans la soirée, mais on sait pas quand c'est quoi. J'aime pas conduire, c'est un enfer vraiment. Et voilà. J'ai réussi à pas prendre l'arbre, c'est un miracle. Super rassurant d'être avec moi en voiture. Bah techniquement, tant que tu fais des à-coups comme ça, on risque pas beaucoup d'accidents, mais... Bon, pour le principe, je vais changer de tenue rapidement, hein, parce que moi j'ai déjà ma tenue. Georges,
Oui. Tu sais, nos forces de l'ordre, ils ont des nouveaux véhicules. Alors, je sais plus à quelle heure ils sont censés en avoir. Il me semblait que Ah ouais, c'était. j'avais oublié ta tenue. Il me semblait que c'était de 18h à 19h, ils avaient rien, c'est ça? Ouais, mais là, vu qu'il est, ça a dû arriver, hein. Alors, il y a aussi un monde où ils étaient en train de faire les custos et c'est pour ça que Belize était fermée. Parce que peut-être que nous aussi on a reçu des trucs. Ça m'étonnerait beaucoup, mais on peut toujours regarder. Il y a des robes que j'avais jamais vues. Il y a des couleurs quand même, faut oser. Lesquels? Non, ça va encore, ça. C'était, je crois, la troisième Ah, article. Ah, quand on le voit problème, des couleurs un peu turquoise comme ça, mais vif. c'est genre ça, tu vois. Ouais, ça agresse, hein. Au moins, on ne perd pas la nuit, quoi. Oh, mais il y a des rampes de fou. Ça, par contre, hein, c'est pas homologué. Hein. Elle est sympathique celle-là. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Alors ça peut être sympa. Je pense qu'on va partir là-dessus. Alors j'avoue que niveau chaussures, moi je suis pas le spécialiste, hein. Faudrait demander à Ellie. Je suis sûre qu'elle validerait. Mais il y a des bretelles. Alors des bretelles sur une robe, c'est quand même particulier, hein. Non, mais sur une robe, mais l'autre jour, tu me parlais des bretelles, non? Oui, sauf que chez nous, ça se passe moins bien que vous. Ah oui, à ce point-là. Disons qu'elles n'ont pas été pensées pour être tirables, ce qui fait que c'est soit tu as la possibilité de le mettre à l'arrière, soit à l'avant, mais il manque toujours un moment où il faut pouvoir l'épingler. D'accord, oui, non. Ah oui, on en est là, quoi. Et pas parfait. Par contre, j'ai pas assez de cintre pour la garder. Tant pis. Tant pis, mais c'est dommage parce qu'elle te va bien. Est-ce que tu veux que je conduise du coup? Oui, je veux bien, oui. Bon, au moins on a notre réponse pour le pour le bénisse. C'est où, du coup? Alors, il me semble que c'était au phare. Mais du coup, tu. Et ben, on va pouvoir passer en zombies. Alors, on y va, Elisabeth. Est-ce que tu pourrais appeler du coup
Elisabeth ou Nate, qui sont les deux mariés? J'ai leur numéro quelque part. Il me semble que tu avais pris leur numéro à la mairie. Alors attends. Elisabeth Bailey et l'autre c'était Nate Manson. Nathaniel, Attends. son prénom. Poète, poète, poète. Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas leur numéro, tu peux me les filer, s'il te plaît? Alors, pour Elisabeth, c'est le 90-99. Ok, et Nate? Le 72-01. Ok, parfait. Et tu veux que je leur demande quoi? Savoir déjà s'ils sont prêts, ça se trouve, hein, parce que si on commence à se casser la tête pour au final que ce soit annulé parce qu'il manque un des deux, ce serait quand même dommage. Ok. Et re-hanche. Oui, bonsoir, je suis Edith. Je me permets de vous contacter. Je suis avec le père Georges. C'était pour savoir où est-ce que c'en était au niveau des préparatifs, si tout était bon pour vous. D'accord, donc on peut tranquillement s'en sortir. Eh bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup et à très vite. C'est tout bon, on peut y aller. Ok. Il y a des gens sur place. Bon, après, on a 15 minutes, hein, donc on est large. Eh, mais si on doit aller aux zombies avant. Oui, mais non, justement, là, pour temps d'aller aux zombies, tout ça, tout ça. Alors, il y a une chose qui va être très drôle, c'est que j'ai pas eu l'occasion de chercher la liturgie de la parole. Non mais t'es sérieux? Alors. Non mais pardon de te le dire comme ça, mais tu te fous de ma gueule. Georges, c'est dans 15 minutes. Comme je t'ai dit, moins c'est préparé, mieux c'est. Parce que du coup, c'est le naturel qui revient. Bah heureusement que je suis pas partie de ce postulat-là hier pour la course, hein, parce qu'on était dans la merde. Hein. Ah, je t'avoue que quand j'ai reçu un appel du BCSO me disant oui, cette BCSO qui est en dessous de vous, c'est où la suite de la course? J'ai beaucoup aimé. Après, il y a des trucs, je t'avais envoyé des dossiers, en fait, ils avaient rien. D'accord. Donc heureusement que j'ai rappelé tout le monde l'après-midi et que j'y ai passé 1 heure et demie, si ce n'est 2 heures. Parce que sinon, il n'y avait pas d'événement. Et c'était pas mal quand même, hein. C'est pour ça que quand t'es arrivé, j'étais là, oh putain. Ça a été un peu le soulagement, ouais. Parce que gérer la mairie et l'événement, Mais ce j'étais quand fut. même assez content de voir qu'il y avait assez de monde pour pouvoir quand même s'amuser un peu. Oui. On espère toujours qu'il y ait plus de monde, mais par rapport à ce que ça a pu être au niveau du concours de blagues, au moins il y avait du monde. J'avais pas la sensation d'avoir à donner un prix gratuitement, quoi. Il y a eu de la recherche. Oui. Puis je pense que la version numéro 2 va me faire plaisir. Tu vois, la V2, ça va bien. D'accord. Je pense qu'elle plaira aux gens. Oui, surtout si on a décidé de faire la V2 de la course dans la Pampa, et puis de toute façon la V2 du concours de blagues devrait arriver dans le mois, je l'ai annoncé. Eh oui, ok.
Je sais même pas si le zombie est ouvert. Ah, c'est une question qui est loin d'être con, tiens. Eh oui, Paul. Oui, vous avez essayé de m'appeler, hier. Oui, hier, je sais même plus pourquoi je t'ai appelé hier. Parce que je me souviens que j'avais appelé l'entièreté de la mairie, mais je sais même plus pourquoi. Ok, pas de problème. C'est pour un truc que t'as super bien rattrapé avec le café. Ça te revient, n'hésite pas. Ben, de toute façon, là, je vais être indisponible parce que j'ai un mariage. Ah, bah, bon mariage. Eh ben, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Le zombie est ouvert. Il y a Paul qui me rappelle que maintenant, pour savoir pourquoi je l'ai appelé hier. Il s'est passé beaucoup de choses depuis hier. Oui. C'est vrai. Ah, surtout que moi, j'ai une mémoire très sélective. Hein. C'est... Dès que j'ai fini un sujet, je passe à autre chose. Je fonctionne exactement pareil. Et je vais même aller plus loin. J'ai une mémoire encore plus sélective parce que si c'est pas un truc que je peux faire moi ou qui me concerne, tu vois, typiquement, c'est les conseillers sur des trucs, les détails techniques, en fait, je vais pas les retenir. Typiquement, comment est-ce qu'on fait les relances de machin, de trucs, de oh là là, je serais incapable de former quelqu'un. Alors, techniquement, c'est pas bien. Mais de l'autre, je peux pas te le reprocher parce que t'as pas eu l'occasion de le faire toi en tant que conseiller. Bon, après, je considère que j'ai des gens qui savent faire et que si jamais ces gens-là qui savent faire partent, ben je me formerai. Tout simplement. Ouais, mais quand tu deviendras. Mais là, j'en ai pas besoin tout de suite. Lorsque tu deviendras mère, il faudra bien que tu le saches le faire. Mais j'ai pas besoin, j'ai des gens qui sont payés pour le faire à ma place. Bonsoir. Et bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bah très très bien. À quoi ça sert de payer des gens pour faire les trucs? Si c'est quand même pour que je le fasse. Alors oui, sauf que si tu les payes, c'est aussi parce que tu dois les former à un moment. Si tu changes d'équipe pour la mairie, on sait jamais. Oui, mais si jamais ça arrive, je le ferai. Mais là, j'ai pas besoin de le faire. Donc pour le moment, je m'en soucie pas. Je me soucie des trucs où il y a que moi ou qui peut le faire. Parce que le fait est que psychologiquement, je peux pas être de partout. On est bien d'accord. Donc, j'accepte. J'accepte le plus urgent. Dans le but d'être efficace. Je détonne un peu à côté de toi quand même. Ah bah en même temps, je suis le seul à pouvoir être habillé en blanc selon la mariée, donc. Et j'ai relu les notes, elle voulait pas de jaune, je crois. Bah techniquement, il n'y a pas vraiment de jaune. On voit surtout les fleurs. Je pense que ça passe. Puis en plus, c'est un jaune orangé, tu vois. Sur toi, Georges. Alors, du coup, je prends la facture. Je suis désolée, j'ai oublié d'aller retirer de l'argent. Bon, au pire, il y a une banque juste à côté, mais... Et moi, j'ai toujours pas posé l'argent que je t'avais montré hier. Oh. Ça, c'est intéressant. Et voilà pour vous. Et tenez. Et merci. Bonne soirée, bon courage. Et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Moi, je trouve que ma voiture te va très bien, Georges. T'as pas l'air convaincu. Tu sais très bien ce que je pense de cette couleur. Elle est fantastique. Il y a trop de couleurs dans la couleur. Il y a un problème avec cette couleur. C'est vrai. Fondamentalement, je suis d'accord avec toi. Mais elle me représente si bien. Ah, c'est sûr que tu es une femme extrêmement pétillante.
Exactement. Et tu vois, typiquement, comment est-ce que tu ferais pour décrire cette couleur? Bah, c'est compliqué. Et tu vois? Bah, voilà. Comme pour moi. Et du coup, c'est le mariage d'Elisabeth et de Nate. Vraiment, faire le plein, ça fait mal. T'as pas l'air très convaincu. Hein. Alors le problème, c'est que quand c'est moi qui dois te désigner, de te décrire, forcément, j'ai plein de compliments. Alors, est-ce que c'est ma vision qui est faussée? Ou est-ce que justement, ce sont que des compliments que tu mérites? Ben ça, malheureusement, je peux pas en décider. Alors, en pratique, un peu des deux, mais ce soir, on va surtout prendre l'option numéro 2. D'ailleurs, j'espère ne pas t'avoir trop chamboulé tout à l'heure pendant le débat. Si, un petit peu quand même. je savais plus trop quoi répondre, ouais. Mais c'est bien, t'es content. Mais si, j'étais surprise, mais pas dans le mauvais sens. Ah, bah, c'est sûr que si on dit qu'un jour je tarie des éloges sur toi que je pourrais faire, c'est pas normal. Non, mais c'est vrai. Oui. Ah, je me disais que je me suis pas fait flasher, je me suis dit c'est quand même pas normal. Bon, ça va, je me suis fait flasher à 107 au lieu de 135. Si ça s'appelle pas changer de sujet. Alors, en l'occurrence, c'est pas juste changer de sujet, hein, parce que je suis très libre de répondre de ce à quoi je pense. Mais non, j'étais content d'avoir cette conversation. Mais je ne savais pas que c'était surprenant. Oui, de toute façon. Pourquoi cacher des choses? Ça sert à rien. J'estime que c'est toujours plus intéressant de dire les choses telles qu'on les pense plutôt que de se morfondre et de ne jamais rien dire. Oui, en effet, c'est sûr. Après, c'est pas trop mon style de morfondre. Du coup, est-ce que c'est ton style de dire les choses? T'as l'impression que je suis passé cash? Après, j'ai pas dit qu'il fallait être cash directement, mais il y a des fois des personnes qui essaient de tourner un peu autour du pot pour dire les choses. Oh non, ça m'épuise les gens comme ça. Enfin, ça m'épuise. Ouais, non, je suis pas comme ça. Alors oui, tu m'aurais dit que t'étais comme ça. Je me serais demandé dans quel domaine, mais. Non, ouais. Du style, s'il y a un truc à aborder, dire viens, t'as 5 minutes et. Alors souvent, je commence ce genre de conversation en disant « Alors, je vais être un peu direct et je suis désolée, mais... » C'est comme ça que ça s'est passé avec cette... Ah oui, d'ailleurs, j'ai été assez direct avec cette... Mais c'est comme ça qu'il faut le prendre, cette... Je lui ai dit, en fait, il est arrivé, j'ai été un peu cash, je lui ai dit « Ça te plaît plus, la mairie ?» Voilà. Du coup, je l'ai mis dans... Au moins comme ça, il est refait. Ouais. Non, mais je savais pas comment commencer cette conversation, alors autant se mettre dans l'ambiance. Alors, techniquement, tu as raison. En pratique, tu as été un peu fort de café. Mais bon, d'un côté, il fallait le pousser un peu
pour qu'ils comprennent aussi. Non, mais après, j'ai pas dit que ça. En fait, j'ai dit, écoute, j'ai une question, elle est très simple, c'est est-ce que la mairie, ça te va toujours? Est-ce que tu veux rester là? Parce qu'en fait, ça fait une semaine et demie, écoute, pas vu, que j'essaye de te courir après parce que j'ai des projets sur lesquels je peux pas avancer sans toi, et ça me fait chier, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis très satisfaite de ton travail, quand j'ai des retours sur ton travail, parce que voilà, t'es douée, tu sais faire des trucs en plus que je ne sais pas faire. T'es efficace, et voilà, donc c'est parfait. Et en plus de ça, on a souvent des avis qui sont pas les mêmes sur les questions, et ça j'apprécie parce qu'en pratique, ça fait avancer le débat. Mais ça me fait chier parce que t'es pas là. Et il me dit, oui, mais si, je suis quand même passée. Je lui dis, écoute, arrête, c'est bon. Avant-hier, t'étais là 10 heures, on t'a payé plus de 10 heures, on t'a quasiment pas vu. Y a 3 jours, on était à 7 heures. Il y a 4 jours, on était à 6. Je dis, arrête. Je dis, d'accord, Georges et moi, on est plutôt là le soir, mais Paddy et Louis sont là la journée, ils t'ont quasiment pas vu. Donc, voilà. Après, on a pu échanger, ça s'est bien fini, tu vois, au final. Mais je suis pas sûre que ça se serait bien passé si j'avais tourné autour du pot, tu vois. Je pense que le mettre tout de suite dans l'ambiance. Quoi. Tu vois, si j'avais essayé de lui faire comprendre des choses en étant gentil, machin, ça l'aurait peut-être un peu plus tendu. Il aurait peut-être plus l'impression de le manipuler, alors que là, je lui ai rien caché. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, il avait pas eu trop l'air d'être choqué par la conversation. Je te laisserai aller voir avec lui ce qu'il en a pensé, mais... Alors, je sais qu'il a tenté de m'appeler, mais je sais même plus à quelle heure. Après, franchement, j'ai fait quasiment que des éloges sur son travail, hein. S'il est vexé... Oui, parce que techniquement, quand il nous rend un travail, il est toujours propre. Mais je lui ai dit, en plus, ça me fait chier, parce que tu fais du bon travail et tout, sauf que moi, d'un autre côté, je suis bloqué. Et que là, il y a des trucs sur lesquels c'est urgent, parce qu'en plus, là, typiquement, au niveau des zones, de machin, c'est une question de sécurité pour les gens. Je dis, en fait, c'est ça, le problème. Donc on a convenu le truc, je lui ai dit franchement, en vrai, tiens-moi au courant de ce que t'avances. Moi j'ai pas de visibilité sur ton travail. Tu bosses sur ton canevas perso, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, file-moi les accès, au moins que je puisse voir où t'en es. Oui, c'est sûr. Bon, il est 59, il va peut-être falloir qu'on bouge un peu quand même. Bon, et j'ai une terrible envie d'aller aux toilettes. Il y a tout plein de buissons. Alors, il y a des buissons, il y a des arbres... La nature est belle. Je vais te laisser. Oui. Il faut vraiment que je l'aille aux toilettes. Hop là. Bon allez, je me dépêche. Alors, je reviens, j'entends que ça m'appelle. Oui, dites. Faut courir, ils attendent plus que nous. Oui, je me suis douté. Ouais, ils attendent plus que nous. Je te laisse courir. Oui, bon courage. Et oui, que veux-tu?
Ça, c'est parce qu'on a trop discuté. Mais j'ai pas l'habitude que les gens soient ponctuels sur cette île. Alors, je t'avoue que c'est la première fois qu'ils sont tous ponctuels sur un mariage. Oui, je comprends. Oui. Eh, bonsoir. Excusez-moi pour le retard. Non, pas de problème. Vous y pouvez rien. Enfin, techniquement, j'aurais pu y... j'aurais pu faire quelque chose, mais bon. Oui. Et bonsoir. Je suis de bonne humeur. Bonsoir mon père. Et bonsoir. Et bien bonsoir. Hop, j'envoie un message à la mariée pour dire que vous êtes là. Excusez-moi pour le léger retard. Y a pas de souci. Y a aucun problème. Mila. Oui. C'est pas Max qui est à côté du gâteau là-bas. Oh putain. Y a le mec à Mila. Oula, oui, si tu veux sauter, c'est par là. Non, oui. Hein. La mariée part, donc elle va arriver. Tout le monde s'assoit, le marié en place, les témoins en place. Et tout le monde en place, et c'est nickel. Tu vois, gratter la porte de la caravane. Mais moi, je suis pas prêt, sécuriser, pas non, vous restez là. Putain, tu me fais peur, vraiment. Nate, mets-toi en place. Nate, tu sauras après. Ah mais t'es... je suis pas proche. Non, mais là, tu me fais peur quand t'es comme ça, oui. Eh hey, Nate, pourquoi dans tes invités, y'a que nous? Bah... pas de sérieux problème, celui-ci. Que je vous aime beaucoup. Ta langue est rappeuse, Nate. Nathanaël. Ouais. Bravo, Nathanaël. C'est bien le seul jour où vous avez le droit de le dire, ouais. Bah non, mon père! Désolé. Vous avez besoin de vous dégourdir les pattes, là? Ah bah oui. Là, je retourne à Tanel, forcément. Ouais, je me dis, tiens, je pensais qu'il y avait que moi qui avait le droit de le dire aujourd'hui. Bah normalement, il y a que vous, mon père, qui avait le droit de le dire ce soir. Mais bon, vous aimez bien me titiller, donc... T'inquiète, on t'appellera Nathanaël toute l'année, si tu veux. Ah ouais. Le miel, elle va durer l'année, alors, du coup. Ah, putain. Delvis à Memphis. 67. Vous pouvez faire l'enterrement de garçon. Super. Putain, il a réfléchi. Alors. César, tu dois parler à un moment, non? Bah, je sais pas quand. Bah, c'est pour ça, peut-être voix avec. Parle au moment des témoins, je pense. Oui, je sais bien pas, sûr. Max, il a dit César, tu fais un discours. Et heureusement que j'ai eu Ronflaquette. Et j'ai tout le temps les Ronflaquettes, connard. Quelqu'un qui m'entend à part Jackson là ou pas? Oui. Non, super m'entend, ok d'accord. Attendez. Vous m'entendez toujours mon père? Oui. Oui, oui, bien sûr. Ah ok d'accord. Eh hey, c'est déporté. Hein. On peut pas chioter ici. Hein. Ah non. Nickel. Pourquoi ils t'ont fait un coquillage? Je comprends pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Attends le discours. Hmm? Mais en même temps, c'est mon vieux discours. Attends, faut que je le relise. Okay. Oh là. Bah oui, mais normalement, ils étaient censés se marier à 4 mois. C'est autre faute, ça. Hein. Je vais pas l'écrire chaque semaine. Hein. Une vidéo, c'est lourd. Et j'ai mis où d'ailleurs? À faire des patch notes du discours hein. Avec les dates. Quand on sait pas utiliser des termes comme ça, mon père, vous allez le perdre.
Bah, c'est le vieux, c'est le vieux. Hein. Le vieux discours, il y a pas que moi. D'ailleurs, il était encore prospect à l'époque. Ted, tu devais te marier prospect, toi, en fait. Non, justement. Non, hein, justement. Il voulait pas se marier quand il était prospect. Ah, ok. Bon, bah, mon discours est prospect. Il avait peur qu'il lui arrive une dinguerie pendant son mariage parce qu'il était prospect, mais bon, il s'est dit que pour les vestes noires, ça allait le sécuriser, mais je suis pas sûr. Ah, mais c'est bon. Je crois que la mariée arrive. La mariée est arrivée. Du coup, il faudra tous vous lever quand elle s'avancera. Oh. Ouais. Non, mais c'est quand tu regardes les chaises attentivement, hein, lui il fait ça quand même. Hein. Bah non. Non, mais moi je m'assois normal. Hein. Il y a toujours un certain moment de stress de mon côté. Non, je me connais toi. Parce que c'est le moment important de. Ouais. De mais certains vous arcs. On fait semblant qu'il y ait beaucoup de monde de mon côté. Ouais. Ouais, bah super, paye ton mariage. Ah, mais vous auriez pu inviter de la zouze un peu quand même. Calme-toi, c'est pas de la dansante, quoi, de la galeuse, là, on s'en fout. Ouais, celle qui regarde pas trop, quoi. Je vais peut-être aller les voir, moi. T'as jamais dit que t'es raciste, c'est mal? Ah, c'est dans tes veines. Ouais. T'inquiète, y'a pas que toi qui... Ah merde. Bonjour Anto. Et bien voilà qui est une coupure abrupte de la musique. Et bien du coup, je tiens à vous remercier tous et toutes afin d'être venus ce soir, malgré une tempête qui a commencé à me faire peur, je vous l'avoue, hein, pour les préparatifs. Je me suis dit, ça serait quand même dommage que ce couple qui a attendu autant de temps ne puisse pas se marier avec nous. Par chance, tout s'est bien passé et nous sommes tous là pour les aider. Avant de commencer avec toutes mes bondieuseries, comme j'aime les appeler, que diriez-vous de chanter un petit peu? Pour tous nous mettre en joie, un petit Oh Happy Day pour cette belle journée, pour ce couple merveilleux que j'ai devant moi. J'en doute pas. Êtes-vous prêt à chanter le Oh Happy Day? Oui. Eh bien, allons-y alors. Oh Happy Day, Oh Happy Day, Oh Happy Day, Oh Happy Day. When Jesus watched, when Jesus watched. When Jesus watch, when Jesus watch, he watch my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus watch, when Jesus watch, when Jesus watch, when Jesus watch, he watch my sins away. Oh happy day.
Eh ben, félicitations, vous êtes pour, je dois le dire, le meilleur public que nous ayons eu sur un mariage sur cette île. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez vous applaudir. Allez-y. Ah oui, c'est quand même important de le dire. Hein. Pour une fois que nous avons des invités qui sont vraiment motivés à chanter, ça me touche énormément. Il faut savoir que moi, c'est mon petit caprice au niveau des mariages, de faire chanter les gens. Et je vous avoue que vous m'avez comblé pour ce soir. Du coup, avant de commencer véritablement, nous allons ouvrir par une petite prière. Une prière toute simple, mais tout de même un accueil au niveau de l'église pour vous faire entrer dans cette cérémonie petit à petit. Et cette prière d'ouverture, du coup, la voici. Seigneur, notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'église. Accorde à Nathanaël et à Élisabeth, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'ils expriment et par Jésus-Christ. Amen. 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 Afin de continuer sur la liturgie de la parole, j'ai choisi un petit texte. J'ai essayé de trouver un texte le plus générique possible pour éviter de choquer certaines personnes qui seraient contre l'Église. Et ce texte, du coup, je l'ai choisi dans la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, excusez-moi. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. J'ai choisi cette liturgie car j'estime qu'il est important de rappeler en ces temps troublés, tandis qu'un téléphone sonne. Ah, il faut dire que le mariage était une véritable urgence. Oui. Et du coup, j'ai choisi ce texte simplement parce que j'estime qu'il est important de rappeler aux gens de tous se soutenir dans l'amour, dans l'amitié. Et j'estime qu'il est important de se le rappeler à tous qui sommes ici, que le bonheur, la bienveillance est parfois un signe bien plus grand que simplement dire bonjour en supérette. Dire bonjour et comment ça va, des fois ça permet d'avancer un peu plus. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte aujourd'hui. Avant de continuer dans la célébration du mariage, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui souhaiteraient parler un peu du couple que j'ai devant moi et savoir si vous voulez faire un petit discours. Mais oui. Eh bien, dans ce cas, je vous laisse y aller. On y est. Je me mets où ? Je me mets assez bien. Alors. Vous m'entendez tous ? Oui. Oui. Oui, César, on t'entend, malheureusement. Bah, c'est Mac qui m'a demandé d'écrire un discours pour le. Bah, c'est quand même vrai. Alors, attendez, il faut que je retrouve la note parce que normalement, il devait se marier il y a 4 mois. Et j'avais écrit un petit truc. 3 mois ? Ouais, je sais plus. Et donc, y a peut-être des erreurs de temps. Parce que j'ai pas eu le temps de me relire, je viens de sortir de l'avion. Alors, attendez. Hop, je la retrouve. Voilà. Alors, discours de mariage. Vous m'entendez tous ? Oui.
Oui. Voilà. Oui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens d'abord à me présenter. Je suis le meilleur ami de la mariée. Et je tiens à dire à tous que c'est un grand honneur d'être présent ce soir pour célébrer le mariage de Nate et... Et elle s'appelle comment ta zouz déjà? Elisabeth. Elisabeth. Ok alors. Quand j'ai rencontré Nate, je me souviens, je lui ai demandé de cirer mes Santiago. Il a dit d'accord. Je suis que c'était un bon prospect. Et puis prospect, il date ce discours. Alors, bon, quand... après il s'est écrasé comme une merde parce qu'il avait oublié son parachute devant le BCSO. Là, je me souviens, je me suis dit, c'est peut-être pas un bon prospect. Bon, finalement, il a eu son blouson, donc finalement, c'est un peu tendre. Bon, je peux dire que c'était un bon larbin, il m'a ramené l'agneau, même que Max lui disait de pas le faire. Ouais, c'est vrai, peut-être pas la dire non plus. Bon, passe à sa zouze. Comment... C'est comment déjà? Ellie. Donc, je l'ai rencontré. Ouais, ouais. Donc, c'était la semaine dernière au Tequila, là. Non. Bah, du coup, c'était il y a 4 mois au Tequila. Je me suis dit, ouch, elle est pas terrible. Et en plus, elle a la même tête que lui, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Yes. Puis, on m'a dit d'enlever mes chaussures et j'y voyais mieux. Et en fait, ça va, elle passe. Pardon. C'est la plus belle. Le témoin poursuit en félicitant les mariés pour leur mariage et la soirée qui va suivre. Il peut ensuite parler de la vie future des mariés tout en insérant quelques plaisanteries au cours de son discours pour ne pas rester sur un ton sérieux tout au long de son monologue. Nat, tu connais l'histoire de la pute et du rabbin qui sont dans un bar? Je suis pas sûr de vouloir la connaître, mais non. C'est peut-être pas le bon moment. En fait. Ouais, c'est pas le bon moment, ouais. Et ensuite, Je tiens à terminer sur cette citation. Elle est pas de moi, mais ça devrait aller. Je suis en compétition avec personne. Je n'ai envie de jouer, d'être mieux avec. Ouais, bon, on s'en fout. Allez, vive les mariés! Merci, César. Merci beaucoup. C'est très touchant. Allez. Merci beaucoup, César. Du coup, est-ce qu'une autre personne voudrait prendre la parole? Je vais le faire. Hop. Bon, j'écris quelques mots pour toi, Maëlie. Ellie, quand je suis arrivée sur cette île, j'avais perdu les miens. Et je m'attendais en aucun cas à trouver une famille ici, et pourtant j'ai trouvé une sœur. Au début, parce que nous avions en commun l'amour de deux frères, mais très vite, notre lien a été bien au-delà. Je t'aime, petite sœur, tu es à la fois ma guerrière, ma famille et mon amie. Et si c'est un jour où l'on fait des vœux, je te promets de toujours être là pour toi. J'ai vu chaque jour l'amour que tu avais pour Nate, les sourires à chacun de ses appels, les yeux qui brillent quand il se trouve devant toi, les tourments de l'absence quand il est au loin. Je t'ai vu vouloir si fort lier vos deux destins devant le ciel et les hommes que c'est un bonheur immense que de te voir aujourd'hui ici à ses côtés. Je te souhaite une vie merveilleuse, un amour éternel et la force de tout surmonter. À vous deux, à votre amour. Merci Mila. Merci Mila. C'était magnifique. Oui, mais... Merci beaucoup. Oh, vous voulez que je passe derrière ça, moi, oui. Quoi? D'ailleurs, j'ai retrouvé la fin de mon discours, si vous voulez. Sky repense à celui de César et ça devrait aller. Vas-y, il veut dire la fin de l'histoire. Pas joué à Nathanael. À moi, du coup. Ah bah. Alors, ça va pas être aussi génial que ce qu'a dit Mila, hein, clairement pas. Je suis pas aussi doué avec les mots. Donc, c'est au-dessus de César, ça va. Oui. Alors, c'est Ellie. Pas compliqué. Toi et moi, ça n'a pas toujours été une évidence, et pourtant, regarde-nous aujourd'hui. Quand je t'ai rencontrée, t'étais froide, sûrement un peu timide, et moi j'étais très intimidée par toi. Mais je nous remercie toutes les deux d'avoir fait les efforts nécessaires pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui, au jour tant attendu de ton mariage. Tu es une des personnes les plus chères à mon cœur, mon maître de la battée, même si j'ai fini par te battre, ça ne change rien.
et ma grande sœur. Je te souhaite sincèrement d'être la plus heureuse, et je pense que ce mariage est l'une des étapes les plus importantes pour atteindre ton bonheur. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur. Merci beaucoup, Sky. Merci. Comme vous avez pu voir, vous vous en êtes très bien sorti. Ouais. Est-ce que ces messieurs à ma gauche ont un autre discours ? J'ai rien à préparer, vraiment. Même si tu m'avais dit en me demandant d'être témoin qu'il faudrait que je parle, donc voilà. Autant que je m'en souvienne, depuis que je suis arrivé sur l'île, je vous ai toujours connus ensemble. Donc je suis vraiment très heureux que vous puissiez officialiser ça devant tout le monde aujourd'hui. Et Nate, j'espère juste que tu prendras bien soin d'Elie. En tout cas, mieux que moi lorsque tu m'as découpé avec l'hélice de ton avion. Oui. Voilà. Promis. En même temps, ça ne devrait pas être très très difficile. Merci, voilà. Anthony. Tous mes vœux de bonheur. Merci, Anthony. Jackson. Non, ça va. Ah, Max, le président. Si tu veux, je finis ma citation. On t'écoute, César. Vas-y. Oui, vous êtes lancé. Alors, j'ai retrouvé la page périmée. Ouais, bah, ça va. Enfin. Alors, je viens terminer sur cette citation. Elle n'est pas de moi, mais ça devrait aller. Je ne suis en compétition avec personne. Je n'ai envie de jouer le jeu d'être mieux que quiconque. J'essaye seulement d'être meilleur que personne que j'étais hier. Auteur inconnu, citation amour.overblog.com. Voilà. C'était important qu'il l'a fini. C'est somptueux. Merci beaucoup. Bravo, César. Merci César. Merci César. Eh bien, sur ce, avec tous ces beaux discours qu'on a eus et toutes ces preuves de franche camaraderie, si on peut dire, que diriez-vous de continuer la célébration par quelques petites questions ? Lors de la célébration d'un mariage, il est de mon devoir, en tant qu'officiant, de demander aux époux, savoir s'ils sont sûrs d'eux au niveau de leur union. Et c'est pour ça que je vais vous demander, Nathanaël et Elisabeth, vous avez écouté la parole de Dieu, puis celle de vos amis. Ça a révélé la grandeur de l'amour humain et du mariage. Allez-vous vous engager, l'un envers l'autre, de manière libre et sans contrainte ? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ? Oui. Oui. Dans ce cas, en tant que prêtre, je peux officialiser le fait que ce mariage est bel et bien valide, et c'est pourquoi je vais vous demander d'échanger vos vœux. Par tradition, c'est monsieur qui commence, mais si madame préfère commencer pour éviter d'être trop bouleversée, vous pouvez également. Je peux commencer si tu veux. Non, je t'en prie, vas-y. Ok, merci Gribe. Tu m'entends, c'est bon ? Oui. Ok, c'est parti. Ce jour est le jour où ma vie commence. Quand on s'est rencontrés, il n'y avait que moi, un sale môme arrogant. J'étais perdu, cherchais ici quelque chose que je ne trouvais pas. Et puis j'ai très vite compris que c'était toi que j'attendais depuis tout ce temps. C'était comme une évidence, comme si nous nous étions attendus toute notre vie et que l'on était fait l'un pour l'autre. J'ai tout de suite eu confiance en toi. J'ai eu envie de te partager tout mon passé, chose que je n'avais jamais réussi à faire avec qui que ce soit d'autre ici avant de te rencontrer. J'ai eu envie de te raconter tous mes souvenirs, mais surtout d'en créer plein de nouveaux à tes côtés. C'est là que j'ai su que j'étais tombé amoureux de toi. Tu as toujours été là pour moi, à n'importe quel moment. N'importe le choix, j'avais à prendre, tu m'as toujours poussé à aller de l'avant. Et j'ai rejoint les Lost, c'est grâce à toi. Tu m'as toujours encouragé à suivre ma voie, malgré ce que ça pouvait impliquer pour toi.
Parce que tu es comme ça. Je vais passer les autres avant toi. Tu fais toujours ressortir le meilleur en moi et c'est pour cette raison que je sais que j'ai besoin de toi. Au tout début de notre relation, on avait dit surtout pas de mariage et pas d'enfant. Finalement, on a changé d'avis. On sait qu'on deviendra parents malgré tout ce que ça implique pour nous et les changements dans nos vies. Concernant le mariage, j'ai mis longtemps à te faire ma demande, mais tu sais depuis longtemps que je suis à toi. Et finalement, on s'apprête aujourd'hui à vivre le plus beau jour de nos vies. Parce qu'aujourd'hui, je deviens plus que ça. Je deviens un homme et un mari. Aujourd'hui, je prends un engagement envers quelqu'un d'autre que moi-même. Aujourd'hui, je prends un engagement envers toi, envers notre avenir, envers toutes les possibilités que notre mariage nous offre. Avec toi, quoi qu'il puisse se passer, je serai prêt. Prêt pour tout, à tout moment. Prêt pour la vie, prêt pour l'amour, prêt pour les possibilités et les responsabilités. Aujourd'hui, Elisabeth Bellé, notre vie commence et j'ai vraiment hâte de me lancer. Et surtout, n'oublie jamais, chérie, je t'aime, j'ai besoin de toi, je suis à toi. Ouais, ils ont fait ça il y a 2 heures. Hein. C'est réellement magnifique. Merci. Merci. Elisabeth, je vous laisse prendre un peu de temps pour respirer avant d'attaquer à votre tour. Prenez votre temps surtout. Ne vous pressez pas. Notre histoire a commencé timidement, mais a rapidement été une évidence. Je ne savais pas encore que le 5 janvier dernier allait me rejoindre l'homme de ma vie, dans cette supérette délabrée de Sandy Shore. J'ai été conquise à l'instant même où ton regard amusé par ma désorganisation et mon manque d'intérêt des ventes en supérette croisa le mien. Je me suis laissée ensorceler d'un seul sourire, et toute la soirée qui s'en est suivie s'écoula comme dans un film passé en accéléré. Un beau film. On a été les rois du monde ce soir-là. En quelques jours, j'ai su qu'il y avait quelque chose en toi dont j'avais besoin. Il s'avère que ce n'était pas juste quelque chose en toi, c'était simplement toi. Et maintenant, regarde où nous en sommes aujourd'hui. Regarde tout ce chemin parcouru, tous ces lieux et ces moments suspendus dans le temps si forts en souvenir pour nous. C'est magnifique. Il n'y a qu'une seule chose dont je suis sûre d'avoir bien fait dans ma vie. C'est d'être tombée amoureuse de toi. Je ne prends pas cet engagement qu'est le mariage à la légère, et tu le sais. Je ne m'engage pas seulement devant nos amis et nos familles, et devant Dieu, je m'engage surtout auprès de toi, pour la vie, et au-delà. À te soutenir dans tes projets, à t'engueuler quand ça sera nécessaire, à t'écouter quand tu as besoin de parler, à respecter tes silences, à t'encourager quand l'énergie te manque, à me battre pour nous lors de nos moments de doute et à faire tout mon possible pour te rendre heureux. Je tiens à te remercier pour toutes ces jolies façons dont tu me rends heureuse, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Le simple fait de voir ton visage ou d'entendre ta voix me remplit de bonheur. Grâce à toi, je souris et j'ai des papillons dans le ventre. Merci aussi de m'aimer, même lorsque je ne suis pas agréable à vivre. Tu es toujours patient avec moi. J'aime la façon dont tu prends soin de moi. Et quand tu me dis que tout ira bien, c'est grâce à toi que j'ai le courage d'affronter les difficultés. Merci pour ta franchise, ta sincérité, de tous les instants et ton soutien de tous les jours. Comme je te l'ai dit vendredi, je ne sais pas vraiment comment terminer mes vœux. Je pourrais terminer en te disant que, comme ça au moins c'est clair, que l'on n'oubliera jamais. Et je veux juste te dire encore une fois que je t'aime. Je t'aime, Nathanaël. Je t'aime, chérie. Merci. Carlouze. C'est extrêmement touchant. Puisque vous êtes décidé à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, que je représente,
Je vous invite à vous donner la main et à échanger les consentements que je vais vous répéter et que vous devrez répéter à votre tour. Nous allons commencer par Nathanaël. Moi, Nathanaël, je te reçois Elisabeth comme épouse. Moi, Nathanaël, je te reçois Elisabeth comme épouse. Et je te promets de te rester fidèle. Et je te promets de rester fidèle. Dans le bonheur et dans les épreuves. Dans le bonheur et les épreuves. Dans la santé et dans la maladie. Dans la santé et dans la maladie. Pour t'aimer tous les jours de ma vie. T'aimer tous les jours de ma vie. À vous, Elisabeth. Moi, Elisabeth, je te reçois Nathanaël comme époux. Moi, Elisabeth, je te reçois Nathanaël comme époux. Et je te promets de te rester fidèle. Et je te promets de te rester fidèle. Dans le bonheur et dans les épreuves. Dans le bonheur et dans les épreuves. Dans la santé et dans la maladie. Dans la santé et dans la maladie. Pour t'aimer tous les jours de ma vie. Pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer tous les deux, en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant, ou se taise à jamais. Eh bien, il semblerait que tout le monde soit d'accord. Maintenant, place à l'événement sportif de votre cérémonie. Avez-vous la possibilité d'avoir les alliances sur vous? Oui. Non, parce que sportif, comment ça? Alors, sportif, très simplement, parce que la remise des alliances sont toujours folkloriques. Ah oui, non, félicitations, frérot. Moi, je dis qu'il faudrait faire un jeu, celui qui chope l'alliance à la place du marié, il se marie avec la mariée. Oh merde, mais fais gaffe. Alors, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais, c'est con. Plus chaud, moi. Dans ce cas. La gueule, César. Pardon. Nous allons commencer avec Nathanaël qui va devoir la remettre à madame. Et pour la remettre, du coup, Nathanaël, je vous invite à répéter ces mots. Elisabeth reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Elisabeth reçoit cette alliance, digne de mon amour et de ma fidélité. Vous pouvez remettre l'alliance. Alors attends. C'est Max qui se marie avec Nathanaël. Allez. Très beau. Maintenant. Oh, il l'a bossé, hein, ça se voit. Eh oui, on voit ça. Hein. Ah oui, il y a des gestes techniques là. Ça va peut-être simplifier les caravanes. Et maintenant, au tour d'Elisabeth. Elisabeth, après que je vous ai dit les termes, vous pourrez y aller. Nathanaël reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Nathanaël reçoit cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Vous pouvez y aller. On peut les applaudir, ils ont réussi. Et vive les mariés. Et vive les mariés, oui. Vive les mariés. Merci. Et vive les mariés. Maintenant, il faut faire un petit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous bénis. Ben ouais, on s'entend de la fin, n'est-ce pas ? Avant de conclure cette... C'est trop tôt. Ah non, allez-y, vous pouvez y aller. Depuis le temps que vous attendez, si je vous prive de ça, ce serait dommage. 4 mois quand même. Ah oui, il serait temps. Avant que je vous libère tous, je tenais à faire une petite bénédiction finale. Soyez dans le monde... des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez vos portes aux malheureux et aux pauvres,
qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du père. Et vous tous, qui êtes réunis ici autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Et sur ce, les mariés peuvent partir en courant. Ouais. À poil. Félicitations à tous. Et profitez surtout bien de votre soirée. Merci mon père. J'ai pas été ça rapide. Okay. Vas-y, fais une vraie galoche là, t'es marié. Vas-y, Sky, prépare-toi. Sans façon. Ah non, mais Mila, je te vois devant. Ah, ok. C'est toi. T'inquiète, je suis en place. En place, vas-y. Tu me dis quand c'est bon. Nickel. Et même pas de dos devant l'objectif. Nickel. T'inquiète, mon ange, l'histoire de doigts, ça viendra plus tard. Ok, allez. Ils sont de la même caravane que Max ? Oh, non. Putain, je vais encore faire que je découche ce soir. Ah bah, là, t'as pas le choix, mais. Je vais encore dormir sur la plage. Max, t'as pas dit qu'on partait en lune de miel une semaine ? Bon, comment ça ? Ah, j'ai pas pris mon tampon veto avec moi. Redis pour voir. Vous savez qu'on pourrait faire une salve ? Les gens qui sont mariés ? Comment ? Non. De quoi ? Non, il veut. Non. Oui. Non, bah non. Si vous le souhaitez, ma trésorière qui est dans le fond peut également récupérer un petit peu d'argent pour le donner aux nouveaux époux. Oui, c'est ça. C'est comme vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. De toute façon, si on donne quelque chose, ça revient chez nous. Oui, mais dans le principe, c'est pour le geste. Oui, oui. Ouais, la picole. Eh, bonsoir. Excusez-moi, c'est vous, Madame Crowley ? D'accord. Merci. Merci à vous. Alors là, il faut savoir, messieurs, dames, qu'on m'a annoncé par mail qu'il fallait que je fasse attention parce que si j'avais des oreilles sensibles, je risquais de le regretter amèrement. Et c'est pour ça que je vais devoir soit parler très, très, très souvent en fonction des musiques, parce que je sais pas si ça c'est des musiques libres de droit ou pas. T'as besoin d'un peu d'argent, il me reste encore un petit peu. Ah, la mallette. Quel plaisir. Tu sais, parce que quand je dis une quête, comme il y en a un ou deux qui commencent, et ben du coup, les autres sont obligés de suivre. En fait, y a des musiques qui sont non libres de droit, ce qui fait qu'en fait, les musiques qui vont être dans le fond vont être compliquées à gérer. Alors. Hop. J'ai que sur moi, mais c'est mieux que rien. Et voilà. Non, j'arrive pas à la dernière minute, c'est pas vrai. C'était très beau. Eh, merci beaucoup. Et tu vois, ça avait beau être un peu un peu à l'arrache, ça passe toujours tout seul. Oui, visiblement. Une cérémonie de mariage, c'est un peu comme le vélo. Ça ne s'oublie jamais.
Surtout que pour le coup, tu fais plus souvent du vélo que des cérémonies en ce moment. Ah bah, je te cache pas que la dernière fois que j'ai eu une cérémonie, j'ai eu un caca nerveux de mon ancien trésorier. Suite à ça, il y a eu de nombreuses annulations de mariage. Le mariage qu'on a effectué faisait partie des annulations, mais c'était la seule annulation avec un motif valide, à savoir le fait qu'il ne pouvait pas à ce moment-là et qu'il préfère reporter plus tard. Par contre, j'ai eu deux annulations de mariage qui étaient vraiment du fait que c'était lui le trésorier. Ah oui, quand même, ça fait chier ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, j'ai fait très peu de mariages ces temps-ci, mais je suis très heureux que ce soit eux qui rouvrent le bal. Ma robe, elle est assortie avec les fleurs là-haut. Oui, alors je ne te cache pas que quand je suis monté dessus, c'est parce que j'étais en train de les regarder et du coup j'ai eu un petit réflexe. Parce que je me disais, mais ça ressemble vachement à sa robe, non? Puis bon, j'ai eu un réflexe malheureux et il a fallu que je m'en sorte. Du coup, combien as-tu récolté pour les mariés? Alors, heureusement, j'avais quasiment rien sur moi. J'ai 36 850 dollars. Et ben dans ce cas-là, je vais rajouter un petit peu. Va falloir que je passe à la banque pour faire un virement parce que je vais pas leur filer une mallette. Non, bien sûr. Voilà, comme ça je pense que c'est une belle quête. Mais j'aime bien parce que la plupart des gens disaient ah non, on va pas leur donner, ça va aller dans nos poches et ainsi de suite. Mais finalement, bah tout le monde a donné, à moins que je me trompe. Bon, quasiment, ouais. Quasiment. Parce qu'il y a quoi, il y a peut-être deux personnes qui l'ont pas fait. Je t'avoue que j'ai pas fait une checklist, mais ouais, on se merde. Ben, en tout cas, je suis très heureux parce que pour une fois, les gens ont tenté de jouer le jeu pour le côté un peu choral improvisé, le petit medley du Happy Day. Et moi, dès que je peux faire profiter un peu les oreilles de tout le monde avec une cacophonie, c'est toujours un plaisir. En vrai, ça va, c'était pas trop une cacophonie quand même. Ah non, surtout qu'ils sont donnés, hein, les mariés. Tout à fait, mais pas que les mariés, il y avait les demoiselles d'honneur aussi, je crois. Oui, j'ai eu l'impression. Elles ont tenté de suivre. La mariée a vraiment donné de sa voix et ça s'entendait fort. Bon, en même temps, je l'ai juste à côté, donc forcément, je l'ai pris dans les tympans directs. Mais après, du côté des losses, il y en a un ou deux, je les ai vus. Ils ont tenté. Il y en a un, il a même fait semblant, il a juste ouvert la bouche. Je n'étais pas prête psychologiquement pour ça, par contre. Je savais pas. Que c'était les losses, hein. Oui. J'ai été surprise, c'est quand même qu'il m'a fallu 2 minutes pour comprendre. Et j'étais là. Ah bah figure-toi que là, du coup, c'est le troisième groupe pour lequel je fais un mariage. Il y a eu deux mariages Vagos, un mariage de Ballas, il me semble. Enfin non, c'était des proches de Ballas. C'était peut-être eux qui t'ont recommandé. Alors, il faut savoir que mon premier mariage était un mariage avec un Vagos, et ça s'est extrêmement bien passé. Cool. Et du coup, c'est vrai que... Oui, tu m'avais dit. Bon, après, j'ai aussi eu deux mariages de la part de Ricardo, le presque futur gouverneur. Parce que techniquement, c'est... presque futur gouverneur. C'est technique, ça. Ah oui, bah, en même temps, c'est parce que c'est la seule liste qui fait peur à la ZAP, pour l'instant. Même s'ils ont eu des infos... Oui, je vois. Ils ont eu des infos non officielles disant que les forces de l'ordre allaient tous voter à ZAP parce qu'ils ont peur de ce que ça va donner vu que c'est pas un ancien des forces de l'ordre. Ouais, mais il faut qu'ils aillent voter. S'ils vont pas voter, ça... Hein. Ah, on est bien d'accord, mais bon, on verra bien. En tout cas, si tu veux qu'on reste un peu à la fête, y a pas de souci. Sinon, on peut repartir pour officier en tant que maire et maire adjointe. Alors, je t'avoue qu'en temps normal, je t'aurais dit qu'avoir une mallette pleine de fric, ça me mettait mal à l'aise, mais je suis d'avis que personne n'essaiera de me braquer alors que... Alors qu'il y a les lost au tout. On est bien d'accord. Surtout que, comme ils l'ont dit, hein, ça va retourner dans leur poche au final. Donc Alors, officiellement, par contre, je n'ai jamais prononcé cette phrase, mais du coup, c'est eux qui me font sentir en sécurité sur ce coup-là. Évidemment, je n'ai jamais prononcé cette phrase. Bien sûr. Et du coup, je te propose de le mettre sur le compte de Elisabeth. Comme ça, il n'y a pas vraiment le côté donné au Lost. Oui, on peut faire ça. Il faudrait peut-être juste qu'on aille les voir pour leur dire combien on a et ce qu'on va faire, à minima. Oui, ça pourrait être pas mal. Puis je t'avoue que je serais pas eu contre une petite coupe de champagne. Ah, mais de toute façon... des pompes à paillettes. Que ce soit la coupe de champagne ou la part de gâteau, c'est important d'y aller.
C'est pas pour rien qu'on vient. Par contre, entre-temps, on va passer à la manque parce que je vais pas passer la soirée avec la mallette. Hein. J'ai déjà mal au bras. Ah non, ne t'en fais pas. Mais on va juste leur dire qu'on part à la banque. On revient une fois que c'est fait, éventuellement si tu veux. Ou alors tu prends la coupe de champagne et autres. Non, on va faire un petit aller-retour quand même. On fait un aller-retour, d'accord. Bah, du coup, je pense que c'est mieux quand même. On essaie de retrouver les personnes concernées. Encore là, ça va, il n'y a pas beaucoup d'invités pour une fois. Hein ? Pas de ça ? Non mais je parlais surtout à Maddy. Merci mon père. Non. Ah mais je vous en prie, c'est bien normal. Merci mon père, oui. Du coup, Edith, je t'invite à donner la bonne nouvelle. Alors, nous avons récolté un petit peu pour vous. Je vais vous l'envoyer par virement, d'accord ? Comme ça, vous aurez tout sur votre compte. Que comme vous pouvez le voir, j'ai une petite mallette. Ça vous fera la surprise de savoir le montant, d'accord ? D'accord, merci. On va rapidement faire un aller-retour à la banque parce que c'est lourd. Oui, c'est pas très agréable. Mais après, si vous êtes d'accord, ce sera avec plaisir qu'on se joindra à vous pour une petite part de gâteau et une petite coupe. Bien sûr. Ça va avec grand plaisir. Oui. Et bien dans ce cas, on se dépêche. Bon. Et du coup, ce sera sur le compte de madame. Oui, bien sûr. Et du coup, à tout de suite. On se dépêche. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une quête. Ça donne une certaine importance à la trésorerie. Puis comme ça prouve aussi qu'on est réglo, quoi. Qu'on est de bonne foi pour un prêtre, c'est important. Alors, de bonne foi pour un prêtre, en même temps, s'il était de mauvaise foi, c'est qu'il s'est trompé de religion, mais... C'était super drôle, j'ai trouvé. C'était sympathique. Attends. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Alors c'est le moment où il faut vraiment pas taper dans les poteaux des Lost. Je pense que ouais, c'est une bonne idée. En tout cas, c'était très beau. Bah, je suis content. Bon, par contre, je me suis légèrement égaré sur Happy Day. J'ai été surpris par la voix de certaines personnes. Ça, c'est un petit peu entendu, mais ça va. C'est beau le passage que t'as lu, que t'as trouvé. Eh, tu vois, finalement, quand on utilise un peu sa mémoire, de temps en temps, on peut le sortir. Parce que là, je t'avoue que sur la mémoire, je me souvenais plus du tout de quel verset ça venait, ni quel chapitre. Mais je me souvenais encore de mes études d'écrit, donc ça va encore. Ah, bah, félicitations. Ça, c'est des heures de catéchisme, hein, je reconnais. Hein. Ah si, avec le catéchisme. C'est quoi l'idée pour être prêtre ? Alors, il y a plusieurs cursus, hein, parce que forcément, tu as des prêtres différents. Mais globalement, moi, mon cursus personnellement, ça a été de faire bien sûr du catéchisme jusqu'à la Grande Communion. Dépasser la Grande Communion, nous n'avons plus la possibilité de faire du catéchisme, puisque c'est pour l'éveil à la chrétienté. Mais du coup, j'ai intégré un cloître dès mes 16 ans, où j'ai commencé à apprendre les écrits de manière plus... Ah, alors attends, j'ai Rob qui m'appelle. D'accord. Oui, Rob. Plutôt bien, et toi ? J'aurais une grande réponse. T'as besoin de changer tes véhicules ? On a déjà débloqué 900 000 la semaine d'avant pour vous. Si tu veux qu'on parle compta, on peut parler compta. Oui, je sais, on va refaire une énième demande de la part de la mairie. Mais après, il y a un moment, après aller secouer les marchands, je peux rien faire. Et je vais pas aller secouer les marchands. Surtout que ce soir, je suis de mariage avec Georges, j'ai des talons à paillettes, j'irai rien secouer du tout. Ben, j'irai pas secouer de marchands avec mes talons à paillettes.
Je pense que juste quelqu'un a la flemme de se bouger le cul, hein. On va pas se mentir. Quelqu'un a la flemme de se bouger le cul, c'est tout. Laissez tomber sur vous. Chose d'autre pour toi. Vous avez pas vu votre budget cette semaine? Ah. Bon, et ben de toute façon, on se voit au plus tôt demain pour. Elle est vendue. Bon, bah écoute, je te laisse. Bye. Europe qui voulait savoir où étaient ses millions. Ses millions? Oui, t'as pas vu le communiqué? Le communiqué. Alors. Il va falloir que je me renseigne un peu plus. De. Ah merde, attends, j'ai pas regardé combien j'ai eu sur moi. Renouvellement parc automobile et ouverture d'un nouveau service. 4850. Alors, on s'annonce qu'une enveloppe commune de 25 millions de dollars est bloquée par SAS, Mairie Nord et Sud. Renouvellement parc automobile et service 46, de police. Par une question de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau service gouvernemental de police. Par contre, là, nous aurons pour mission principale de gestion des autoroutes de l'état de San Andreas. Dans l'attente de nouvelles procédures, nous vous annonçons également le permis de chasse fermé temporairement. Les fiers d'annoncer les forces de l'ordre. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'était Elisabeth son nom? Il s'écrit comment son nom? Bailey. Elisabeth Bailey. Du coup, Elisabeth, il me semble que c'est Z-A-B-E-T-H. Moi, là, la banque, j'ai... Ah putain, mais elle a déjà changé son nom. Ok, j'ai compris. Ah, du coup, c'est Munson. Normalement, ça doit être Elisabeth Munson. C'est ça, c'est ça. On n'est pas trop de deux pour réfléchir. Ouais, je pense. En tant quelle idée de faire des la signature des papiers et tout ce qu'il faut pour la carte avant de passer à la vraie cérémonie. Bah, la vraie cérémonie, d'aucuns te diraient que c'est la légale, mais... La banque n'a pas assez d'argent pour retirer 10 000 balles? Mais pourquoi retirer? Bah juste pour avoir un peu de thunes sur moi, quoi. Alors du coup, la banque bémol peut te donner un peu. C'est bon, j'ai réussi à retirer 2000. Bon, donc c'est bon. Voilà, comme ça tu... Non mais c'est, mais c'est largement suffisant. Voilà. Au moins, comme ça je suis sûr que tu manques de rien. Merci Serge. Parce que bon, le coup d'hier des 20 000, je veux bien. J'avoue que j'étais un peu fort de café avec mes 20 000 hier. Mais bon, la 3 000. Couleur. Café. Café. Que j'aime ta couleur. J'aime ta couleur. Café. Café. Si on continue comme ça, on va se retrouver à faire... Comme le roi des mouettes, ça va être terrible. On va se retrouver à l'événement de Selena pour commencer à chanter une chanson ensemble. Sauf que j'ai vachement plus de classe. Ah et bah, j'espère bien que tu vas pas te balader en sous-vêtements à chanter Doudou le roi des mouettes. Hein. Je sais que t'as beaucoup plus de standing que ça, quand même. Ouais, en effet, je vais pas faire ça. Yep, hop, hop. Alors, je ne cache pas qu'il y a un moment pendant la cérémonie, vu que j'étais en train d'écrire et de lire des messages, en fait, j'attendais qu'ils puissent commencer à parler un peu plus pour essayer de regarder une fois de temps en temps mes messages. Il y a un moment où j'étais en train de réciter un texte, et d'un coup, j'ai senti la gorge être très sèche. J'ai fait « Vite, faut que je finisse avant de tomber !» Ah oui, en effet, c'est compliqué, oui. Oh oui. Et du coup, il y a Louis qui s'est occupé de régler le Black Cat. Apparemment, j'ai contaminé un habitant.
Ah bah merci, ça fait plaisir. Par contre, l'habitant n'a plus de pommade. Est-ce que tu peux aider l'habitant, s'il te plaît? Alors... T'as pas de pommade? Alors là, je les vois pas. Mais comment ça se fait? D'habitude, j'en ai toujours trois. Change. On va être obligé de passer dans une pharmacie, il y en a une. Je sais où il y en a une. Sinon, on va à l'hôpital. On va à l'hôpital? Ouais, comme tu préfères, ça coûtera moins cher. Oui, c'est pas pour ce que j'ai sur moi que... J'avais oublié le flash, bordel. D'ailleurs, celui-là, je me suis pas pris tout à l'heure. Je me suis pris celui d'avant, enfin d'après. Ça s'appelle le karma, ça. Oui, mais celui d'avant, je l'ai donné gracieusement, parce que c'est un flash que je connais bien. On a vécu très longtemps ensemble, lui et moi. Parce qu'avant, je travaillais au Giggling, donc forcément, je le croisais tous les jours. Du coup, ça, c'était... Bon, là, je roule un peu plus vite, parce qu'il y a une urgence, quand même. Non, mais c'est juste à gratte, mais on va survivre. C'est pas comme si on voyait tout flou. Ah, mais j'ai pas envie que tu te défigures avec tes ongles. C'est dommage. Non, mais je vais m'en sortir. Pas trois fois dans la même soirée. Je veux bien donner de l'argent à l'État, mais là, on n'est pas dans mon comté, donc il va pas revenir dans mes poches. Ça revient pas là-bas. Ça revient pas à nous. Alors, est-ce que j'ai des mails? Putain. Ah, j'avoue que les mails, j'ai pas regardé. Il y a l'interview des trois candidats. Weasel ou... Ah, j'ai attrapé des rougeurs, bah forcément. C'est une blague. Ah, je suis très content de t'avoir refilé des rougeurs alors que je venais de me soigner. Mais comment ça? Ah mais oui, mais parce que t'avais utilisé une pommade du coup. Oui, parce que j'ai utilisé une pommade pour me soigner, et alors que je m'étais soigné, j'ai réussi à te contaminer. Félicitations. Non mais ça commence à être la fin. Bon après sinon il y a une pharmacie ici, au besoin. Non mais félicitations en tout cas, t'inquiète, ça va bien se passer. Voilà, on va arriver tous les deux avec des rougeurs. Ils vont nous dire mais faut pas embrasser votre mère adjointe, voyons. Oh mon dieu. Ah bah... Louis a payé Ron et le... D'accord. Tu me fais trop... Franchement tu roules trop vite quoi, t'es sérieux là? Village, comment ça se passe? Monsieur, bonjour. C'est la police. Alors déjà, je vous ai pas demandé de descendre du véhicule, on remonte. Voilà, déjà, c'est comme ça. Deuxièmement, vous les voyez les gyrophares ou vous les voyez pas? En l'occurrence, je ne les ai pas vus. Ah. Regardez, vous voyez que vous êtes dans le flou de circulation. En plus, vous avez des rougeurs, vous m'avez filé des rougeurs, de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se pressait, justement. Oui, bah j'imagine, mais à un moment donné, vous appelez le service d'urgence directement chez vous. Là, on a autre chose à foutre, mais quand même. Donc vous ferez attention sur la route. Oui. Si c'est bon pour vous, non. Oui. Attention. Ah, toujours ce souci. Ben, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils nous prennent vite. Parce que là, s'il y a un peu d'attente, c'est terminé. Ouais, d'accord. Donc tu vas rebondir là-dessus comme si de rien n'était. Hein. Bravo, Georges. En même temps, là, ils sont en train de jouer au cake parce que c'est la nouvelle patrouille hein, quand tu regardes. Non, mais Georges, non. Tu... Ah bah, je suis désolé, mais il y a un moment, faut dire ce qu'il y a. Tu faisais moins le malin devant lui. Hein. Bah en même temps, tu veux que je dise quoi? Est-ce que j'étais un cake au volant? Bien sûr.
Bah alors dans ce cas-là, sois pas de mauvaise foi, ne traite pas de cake parce que t'es vexé qu'il t'ait chopé pendant que tu faisais le cake. Ah non, 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 mais c'est juste, il veut montrer que la nouvelle patrouille est là, il est en train de faire un peu de zèle, bon bah y a pas de soucis, il fait du zèle. Bah je suis pas d'accord avec bon, toi. Bon, alors à ton avis, est-ce qu'on va tous les contaminer ou est-ce qu'ils vont se bouger? Où t'es ronchon? T'as mangé assez ce soir? Alors pour le coup, quand je suis ronchonne, c'est que j'ai pas assez mangé. Si, si, j'ai bien mangé, mais... J'imagine que c'est Papa Bebel et Madame Edith. Oui. Ouais. Chacun tout le monde sort pas les dents, oui. Oh, c'est compliqué là. Oui, à moi aussi, c'est compliqué. T'es pas reconnu, ouais. Ah oui, ouais. C'est pour ça que je me suis écartée, j'avais peur de te contaminer. Avec des rougeurs. Ah oui. Ah, vous avez des rougeurs tous les deux? Oui, 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 bah oui, forcément. Ça se voit pas. Non, ça se voit je pas. Je suis en congé, mais venez, venez. Bah oui, magnifique. En tant que directrice du BCES, je vous kidnappe dans le BCES. Interdiction de sortir. Merci. Ah, vous êtes mieux comme ça aussi, Papa Bémol. Ah bah, je me doute bien, oui. Le rouge à lèvres, c'est pas pour moi. Allô? Attends, on va essayer d'appeler le Nord, du coup. Tu veux essayer d'appeler qui? Je sais qu'il y a Paul, parce qu'il m'a appelé tout à l'heure. J'ai essayé d'appeler Guy, mais il répond pas. T'essayes Paul, du coup? Salut Paul, c'est Edith. Je suis au BCES avec Georges. Ça va aller? Ça m'a l'air d'être un peu... Bah dis-lui qu'on a entendu des tirs. Et du coup, oui, Titanite, salut, salut. T'es du maire, what the fuck, l'église contrôle tout le monde. On entend tirer. Incroyable, maire, BG, mafia gang. Ah oui, c'est ça. Hein. Et encore, mafia gang, pas vraiment. Disons que c'est plus un gang. D'accord, et ben bon courage à vous, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de BDC. Force à vous, et à bientôt. Visiblement, problème, force de l'ordre, ghost. D'accord. Pas plus d'infos. Ok. Bon bah, pour l'instant, hein, on attend jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est bon. Bien sûr. Et avec un peu de chance, ça se trouve, c'est les flics qu'on a vus juste avant. Parce que vu comment ils étaient armés... Oui, oui, bah, très certainement, oui. Puis, comme je t'ai dit, hein, ça sent le flic qui fait du zèle. J'aime pas quand t'as ce genre de discours, genre, je suis désolée. Ah, mais disons qu'il y a des forces de l'ordre qui avec qui on peut s'entendre, on peut discuter. Là, quand on sent ce type de personne, ça sert à rien de discuter. On attend, on dit oui. En fait, j'utilise la même technique que les forces de l'ordre utilisent pour les terroristes et les preneurs d'otages. Dire oui, oui, et en faire le moins possible. Je vois. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui. Des bonnes infos, j'espère. Et merde. Pourquoi tu pleures, Benji? Mais après, c'est vrai que techniquement, si on y pense, au tout début de mon RP, Benji, il m'a clairement dit. Mais attends, mais enfin, c'est des pêcheurs, ils sont sur des bateaux normalement. Des pêcheurs? Oui. Attends, je vais donner les infos à Georges avant qu'il fasse une crise cardiaque. Eh ben merci, et on est là s'il y a besoin. Merci. Assieds-toi, faut que je te parle.
Alors, avant de faire une crise cardiaque, assieds-toi, faut que je te parle. Oui, c'est le Giggling qui a été pris en otage quand ils étaient en pleine mer. D'accord. Et ensuite, ça s'est c'est revenu sur la Terre ferme et c'est sur eux que ça tire. C'est sur eux que ça tire. Ben en fait, les otages n'ont pas voulu négocier, donc le BCS a ouvert le feu. De ce que j'ai compris. Les otages n'ont pas voulu négocier ? Les preneurs d'otages. Ah oui, parce que... Les otages, ça négocie pas, ça pleure. Alors, je te rappelle que je suis un ancien du Giggling, 7 aussi, t'as vu les dommages que ça peut faire. D'ailleurs, tu as croisé deux personnes du Giggling lors du meeting à Zap. D'accord, ok. Tu vois la personne qui était à droite de Parnasse ? Oui, c'est passé des trucs là. Ah oui, Georges. Alors, ne t'inquiète pas. Alors... Essaie de t'asseoir sur le banc. Je sais que tu peux le faire. Parfait. Je suis désolée, Georges, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Mais maintenant, je sais que tu pratiques la magie. Parce que passer au travers des murs, soit c'est de la magie, soit tu es un fantôme. Ce qui expliquerait pourquoi tu viens du ciel, d'ailleurs. Ouais. Je sais pas du tout ce qui se passe quand j'essaye de m'asseoir, Georges. Je pense que je vais rester debout maintenant. Je me fais avaler soit par le sol, soit par les murs. Mais le plus important, c'est tes anciens collègues, tout de suite, là, maintenant. Oui. Je suis vraiment désolée pour toi, Georges. Est-ce qu'on... Ça va aller ? Est-ce qu'on sait s'il y a des gens qui ont été blessés ? J'imagine que oui, non, vu que ça a tiré, mais... Ouais, déjà. Après, les miracles, ça existe. Mais t'as Swan, là-bas. Oui, secret médical, tout ça, tout ça. Oui, et peut-être que si tu lui fais les yeux doux, elle peut te répondre par oui ou par non. Alors, heureusement qu'elle a dit qu'elle était censée être en congé. Vu qu'elle elle n'est plus en congé. Hein. Ah bah là, elle a repris sa tenue, donc ça m'étonne pas. Tu sais que c'est pas une bonne nouvelle si elle était en congé et qu'elle a repris sa tenue alors qu'il y a déjà trois collègues là-bas. Bah oui, non mais on est bien d'accord. Et c'est qui t'a donné les infos du Giggling ? C'est la mairie, non ? C'est Paul, d'accord. Parce que je l'ai appelé. Et Guy, il était en ligne quand j'ai essayé de l'appeler. D'accord. Il y a John qui voulait qu'on se voie parce que je lui ai dit que j'avais une tenue pour une cérémonie de mariage. Qui voulait voir ça. Mais là, ça va être compliqué là. J'essaye d'appeler qui ? Aucun des deux patrons du Giggling ne répond. Ben... Ils sont peut-être encore otages. Parce qu'ils m'avaient pas dit qu'ils avaient été libérés, tu sais. Oui, Guy. Ben, j'ai eu Paul entre temps parce qu'en fait, on était au BCES. Là, on est au BCES, on est coincé dedans et ça tire dans tous les sens. Ben, là, ça a l'air de s'alcamer, mais on nous a pas dit qu'on pouvait sortir encore, donc. Du coup, comme c'est chez toi, ben, je t'appelle.
Ah mais c'est deux choses différentes entre la prise d'otage et le chat et la souris. D'accord, c'est pas très clair. Tu sais s'il y a eu des blessés? Eh merde. Bonsoir, comment vous vous sentez? Salut, Georges. Okay. C'est compliqué là. J'ai appris pour vous. Ouais. Il y a H et Jamie toujours dans la banque. Enfin, toujours avec eux en tout cas. D'accord. Ils sont déjà à la banque. Je sais pas s'ils sont arrivés là-bas, mais. Ok. Ils sont toujours avec eux. Bon, techniquement, je suis pas censé le savoir. Hein. C'est juste que là, c'est. J'étais dans le coin, du coup, j'ai appris. Ouais. Georges, j'ai eu des nouvelles complémentaires, ouais, si tu le souhaites. Bonsoir. Du coup, je vais demander des nouvelles complémentaires directement aux personnes concernées. Ok. Bonsoir. Je te présente l'équipe du Giggling. Enchanté. Bonsoir. Enchanté. Enchanté. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le maire du Sud et voici ma mère adjointe. D'accord. Allez, donc connaître. Et également, je suis un ancien du Giggling, c'est pour ça que je suis très intéressé. Ouais, d'accord. Ouais. Donc là, pour l'instant, il y en a encore deux qui sont bloqués, ça. C'est ça. Il y en a encore deux, ouais, là-bas, et chez nous. Il y a deux High Volt aussi, là-bas. D'accord, il y a High Volt aussi. Ah, les deux patrons. Ah, les deux patrons en plus. Ouais. Les deux patrons, ouais. Et j'ai aucun autre numéro à part les patrons. Et on a aussi deux de chez nous qui sont sur le bateau. Ils ont gardé le bateau un peu plus loin sur le ponton. Tiens, écartez-vous, c'est le patron. Ouais. J'ai réussi à voir Guy. D'accord. Alors, il y a des blessés. Oui, je me doute bien. Il y a des blessés, on sait pas encore exactement combien. Alors, oula. D'après ce que... Retourne-toi pas. Ça va aller. Je suis pas en état de dire oui. Je suis désolé, Georges, mais on peut pas partir. C'est dangereux. D'après les infos que j'ai eues, il y avait cette personne. Et il y avait également Ashwin qui restait là-bas. Ouais, j'ai justement ce que j'allais voir avec. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pour l'instant, on peut rien faire. Par contre, pour iVolt, c'est une entreprise à nous. Ouais, je t'écoute. Alors, la priorité, c'est surtout tes anciens collègues. Je suis désolé, mais. Ok, ça marche. Oui, mais comme ça a été. La dernière fois, une collègue à toi. On n'a pas eu de nouvelles d'elle. Oui, mais elle n'a pas été blessée physique. Elle en est sortie indemne et tout s'est bien passé. Ouais. Là, c'est pas du tout le même cas de figure, Georges. Et ça a été ma collègue pendant... T'es pas resté que 3 semaines au Giggling. Non, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de nouvelles têtes au Giggling que je connais pas. Mais là, en l'occurrence... les deux derniers qui restaient selon Stan, c'était Jamie et Ashwin. Putain, c'est pas possible. Donc, Jamie, forcément, tu m'entends souvent au téléphone avec lui, un trésorier de l'indépendant. L'homme à la mallette, comme on aime l'appeler. Puis bon, Ashwin, c'est Ashwin. Hein. On a plus besoin de la présenter. J'ai bien connu les plaques des procureurs. On peut marcher? Ah oui. On se dépêche de rentrer, monsieur, il est un peu... Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Là. Tout le monde est rapatrié ici. Tout le monde est rapatrié ici.
pouvez me faire un résumé de ce qui s'est passé? On va peut-être pouvoir leur demander si justement ils sont... Bon, soit si c'est sécurisé, si on peut bouger, non? Pour éviter d'être au milieu, parce qu'on va les gêner. Mais on avec tout ce qu'ils ont à faire. Non mais on va attendre un peu dans le coin jusqu'à ce qu'il y ait un médecin qui puisse nous dire si on peut partir ou pas. Ok. Alors, j'ai un doute, hein, mais je crois que le procureur qui est avec eux... Je suis désolé, j'ai voulu m'asseoir sur le banc. C'est pas ma soirée. Je suis désolé, Georges, pardon. Il semblerait qu'il y ait aussi un des deux patrons d'iVolt qui a été touché. Ah, et puis on a Ashwin. Qui est touché? Bah, regarde derrière toi. Je la connais pas encore assez pour la... pour la reconnaître de loin. Mais donc... Je suis désolé, Georges, c'était... Avant que tu glisses... J'étais en train de te dire que je crois que le procureur qui est à côté du procureur général est un ancien collègue à moi du Giggling également. Putain, mais vous êtes une vraie mafia, c'est pas possible, vous êtes de partout. Avant d'être à la mairie, j'avais toutes les infos de l'île. Et parfois même avant Louisal. En même temps, tu vas me dire, avec Ashwin, Jamie, qui sont au courant de tout, forcément, ça aide. Mais du coup, oui, là... C'est dommage d'avoir moins d'infos maintenant que t'es à la mairie, quand même. Ah bah c'est un drame, oui, c'est sûr. Mais là, ce qui me pose problème surtout, c'est... Je suis habitué à avoir des scènes un peu dramatiques. J'ai eu des moments compliqués en Centrafrique, hein, quand il y a eu des raids de certains miliciens qui descendent les enfants. J'ai vu les enfants mourir. Mais là, oui... Là, c'est un peu comme... C'est des amis. Bah, il y en a certains, c'est un peu comme de la famille. Oh, attends, faut peut-être... Attends, je vais appeler les garçons. J'ai pas pensé à eux. Ah, il faudrait peut-être appeler les mariés aussi. Oui, alors, juste pour info. Georges et moi, on s'est rendus au PCES parce qu'on était malades. Et on est enfermé dans le BCES parce que c'est un peu compliqué au nord, là. Ouais, c'est ça. Donc, il y a le BCSO, quoi, c'est l'enfer ici. C'est très compliqué, il y a des blessés. Beaucoup trop de blessés. Et donc, voilà, on est au nord, on est en sécurité, mais on peut pas bouger. Et c'est, voilà, juste pour que vous sachiez. Non mais on a le véhicule, mais on peut pas sortir pour des raisons de sécurité, pour le moment. On vous tient au courant quand on bouge, ok? Alors, ce qui se passe, en gros... Théoriquement, il n'y a pas de souci. En gros, Ange, on était malade, Edith et moi, parce que du coup, je me suis aperçu que j'avais plus de pommade, alors que d'habitude, je suis quand même parti avec 4 pommades avant d'aller au mariage. J'en avais plus une seule. T'as réussi à voir les mariés ou quoi? Bah surtout, je sais pas comment leur dire. Parce que là, je t'avoue, dire aux mariés, ça, faites attention à vous parce que machin, les Lost, non, oui, non, on va pas dire ça. Je m'en charge. Mais. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé. Je suis Crowley. On se fait soigner. Alors, on s'excuse, mais on va pas pouvoir repasser à votre mariage. Sur... Alors, pas... oui et non. C'est des situations un peu exceptionnelles qui se passent. C'est que en fait, on est tombé malade sur le chemin du retour. Donc, on a voulu aller à l'hôpital. Et c'est très compliqué sur Palais-Paul. On est enfermé dans le BCES depuis 10-15 minutes. Donc, on s'excuse. On vous souhaite tous nos vœux de bonheur. Et voilà, donc, navré et passez quand même une bonne soirée. Au revoir. Voilà. Là, c'est fait.
Georges. Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ah bah là, en l'occurrence, pas grand-chose. Là, j'avoue... Je vais peut-être aller voir le PCSO pour savoir si on peut partir. Bah après, il me semble que Swan est disponible. Donc, si on a une demi-seconde, on peut lui demander si on peut y aller ou pas. Oui, mais sa spécialité, c'est la médecine, pas la sécurisation. C'est ça. Non. Écoute, ne bouge pas, je m'en occupe. Ouais, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être. Deux boissons et un truc à manger, s'il vous plaît. Ouais, ça c'est ok. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça va, papa bémol ? Je vous avoue que je suis un peu secoué. Je ne sais pas qui il y a et j'ai très très peur parce que c'est Ling Ling. Voilà. Ben moi, il y en a certains que je connais pas forcément, mais oui. Ceux que j'ai vus sur les brancards, ce sont ceux que je connais justement. En fait, ils ont pris le bateau. Là, c'est dur pour moi. Voilà. Ah, surtout que juste avant ça, j'étais en train de faire un mariage. Oui. On est tombé malade sur le chemin, du coup, on est venu. Ouais. Et bon, bah voilà, d'un coup, on apprend que c'est le Gaming qui s'est fait attaquer et ainsi de suite. Donc là, je prends les informations les unes après les autres, mais j'ai du mal, là. J'ai du mal à comprendre. Vous voulez vous mettre dans le bureau ou dans notre salle de pause? Non, vous avez certainement bien mieux à faire. Ouais, dans la salle de pause, ça me dérange pas. Hein. Je n'ai personne. Hein. Non. Vous voulez un chocolat, un donut, un petit truc? Non, vous en faites pas. D'accord. Si vous pensez qu'on peut ressortir et que ça craint plus rien. Ouais. J'attends plutôt côté BCBSO nous dire à ce niveau-là. Bon, excusez-moi, j'essaie d'appeler pour avoir la réponse, mais c'est compliqué. Ah, c'est le Blackhead, ça, je reconnais. Et qu'est-ce que. René! Je suis désolée, après voilà, le but n'est pas de vous rajouter du travail, hein. Vous avez d'autres priorités, on peut patienter. C'est juste que j'ai pas de réponse sur Radio et je cherche pour dire que ça va. Écoutez, on a tout notre temps, vraiment, on a tout notre temps. La priorité c'est votre travail, donc il n'y a pas de problème. On va patienter. Dès que j'ai une réponse, je vous le dis, vous en faites pas. Merci à vous. Sachez qu'ils ont pris nos identités et ça vous j'habite. Ouais, ça va aller. Oui, c'est 97-24. Ça va aller, Georges. Courage. Tu as l'identité, Houston ? J'ai envoyé un message à l'entreprise au Geekling. D'accord. Et je me suis également excusé dans mon message d'avoir appelé tout le monde. Parce que là, je pense qu'il y a environ une personne par brancard que j'ai appelé
pour avoir des infos. C'est normal que tu les aies appelés. Que tu essaies de les appeler quand tu y as pris ça. Tu t'inquiètes pour eux? Ouais. Après, j'ai eu l'occasion de discuter un peu très rapidement avec avec l'un d'eux, donc ça va, mais... Viré. Alors, en l'occurrence, ça, j'aurais bien aimé. Pardon? Pas au mariage? Ah bah, en fait... on était partis au mariage, puis on a fait la quête. Alors, je crois qu'en fait, si on vous raconte ce qui s'est passé, vous allez pas nous croire. Bon, ça, vous avez fait la quête, j'ai rien compris. En fait, on a fait la quête à la fin du mariage, de la cérémonie pour les mariés. Sauf que j'avais une grosse mallette. Donc, on est passé à la banque pour faire le virement. Puis, pour les mariés. Puis, on a eu attrapé des rougeurs, on n'avait pas rien pour soigner. Donc, on est passé à l'hôpital. Oui. Et sauf que là, on est arrivé et ça tirait dans tous les sens. Donc, là, on attend de savoir si c'est. Oui. Bah, là, c'est bon, c'est accessible, ils viennent de dire. Excusez-moi, pardon. J'ai eu l'info que vous vouliez, c'est bon, vous pouvez repartir. Voilà, on attendait l'info officielle du BCS, du coup. Merci beaucoup. Pas du tout, sécurisé. Il y a eu moi, je vous conseillerais, c'est juste de partir par la grille pour être encore plus sûr, vu que on est parti vers le building pour sécuriser Watt. En ne respectant évidemment pas les limites de vitesse, parce qu'il faut aller plus vite que les balles. Donc, ce sera plus simple si vous partez par la grille. Alors, on s'est fait arrêter parce qu'on roulait un petit peu trop vite tout à l'heure, donc on va être... Mais là, ils vont rien dire, c'est parce que tu fuis les méchants. Et voilà, surtout qu'il n'y a pas grand monde pour vous arrêter là. Ouais, j'aurais pas cette argumentation avec l'officier qui nous a... Ah oui. Pas fait descendre de la voiture. Ah, l'highway, la nouvelle unité là, elle est assez élevée. Ah ouais, hein, elle a envie de montrer qu'elle est présente. Ah ouais, ça, j'ai roulé à 200 tout le long, ils m'ont rien dit. Vous le dites pas, officier. Bon, j'ai rien entendu. On n'a pas eu autant de chance. Ils sont venus nous chercher jusqu'au parking là pour nous engueuler. De toute façon, s'ils t'ont vu, ils t'ont vu, évidemment. Ils vont pas te lâcher. Ah non, non, mais... Oh, bah après, c'est limite, il m'aurait presque rentré dedans avant de me laisser me garer, quoi. Bah en vrai, si ça décharge un peu les deux autres services de police et qu'ils peuvent aussi arrêter les trous du cul qui roulent n'importe comment en ville, maintenant, ça peut être pas mal. Hein. Mais la question maintenant, c'est qui veut aller voir les chasseurs, les pêcheurs et... Oh bah ça, honnêtement, qui y allait avant? On va se mentir, hein, les park rangers, je dis pas qu'ils étaient inutiles, mais est-ce qu'ils faisaient tant d'arrestations? Ils faisaient le boulot. Et si vous êtes tant d'arrestations que ça, je suis pas sûr. Alors, du coup, je suis navré, mais on va vous laisser. Oui, oui, pas de problème. Bah oui, merci à vous. Allez, bonne soirée. Oubliez pas mon virement. Hein. Comment ça? Quête. Une prochaine fois. Et du coup, ils vont finir le mariage sans vous, c'est terrible. Ah bah, de toute façon. Bah, du coup, on leur a. Bon, en tout cas, c'est bon, hein, tout est payé niveau mairie sud, là je vais au nord, après, c'est bon. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Combien de factures cette fois, cette semaine? 180 plus 90. Oh bah ça va. Ouais, parce que j'avais oublié, il y avait les Speedy, ça m'étonnait qu'ils aient pas bouffé, après j'ai vérifié, ouais, il y a 90 000 qui étaient. Bon, oui, c'est une bagatelle quoi. T'avais 280. J'ai conduit. Bon, allez, je file à la mairie moi. Bah allez, bon courage. Là. Tu fais des trucs là, non? On va partir de là avant de mourir. Eh bien, pour une fois, je vais mettre ma ceinture. Oui. Mais promis, je vais rouler doucement, tu sais. Ah non, mais je te laisse faire. Hein. J'ai confiance d'habitude. Hein. D'habitude, je mets jamais ma ceinture quand t'es là. Il n'y a qu'avec John que je mets ma ceinture d'habitude. Ça veut dire que tu vas pas bien. Disons que si on a encore des officiers zélés qui passent. Tu me laisses parler, d'accord, je gère. Mais... Je vais gérer les interactions sociales, ok? Si ça te va, bien vite. Oui, bien sûr. Il y a quand même un truc qu'on aurait dû prendre, c'est des médicaments au cas où. Parce que si on retombe malade sur la route. Non, je pense qu'on a eu notre quota de poisse pour ce soir. Oh, c'est mal me connaître. Parce que je suis l'homme le plus chanceux du monde, mais
quand le seigneur a décidé de dire non, il fait non. Oui, mais je suis un petit peu là, donc ça devrait... J'ai réussi à te refiler mes rougeurs, hein, alors que je m'étais soigné. Oui, c'est une question de timing. Ça arrive. Oui. T'as vu ça? Ah oui, bien sûr. D'accord. Ah moi, je m'attendais à ce que ça fasse ça, justement, quand je l'ai vu, la hauteur à laquelle ça tombait. Non, mais s'il commence à pleuvoir des voitures, ça va pas bien se passer. Je préfère que ce soit une voiture qui explose rapidement qu'une météorite, personnellement, mais... Oui, certainement, qu'après, si c'était une météorite, ça voudrait dire que je finis mes jours à tes côtés. Moi, ça me va. Oui, c'est vrai, mais si on pouvait éviter de finir nos jours aujourd'hui, ça serait cool. Surtout toi qui es jeune, ça serait dommage. Ouais, bon, t'es pas si vieux que ça non plus, mais oui. Enfin, si, peut-être un petit peu, mais c'est pas une raison. Parce que 58, si tu me dis pas assez vieux, je sais pas ce qu'il te faut. Pardon. Je nous ai fait partir parce que là, la conversation, j'avais déjà pas trop les nerfs de l'écouter, alors je me suis dit que ça devait être pour toi. Disons que j'ai pas eu le courage de contacter l'autre procureur. Parce que je sais pas si c'est un ancien du Guiling comme je le pensais ou pas. On aura les informations en temps et en heure. Je comprends que ça te touche, mais faut qu'on les laisse bosser. T'as eu l'occasion de discuter avec le procureur, non? Il m'a pas calculé. D'accord. Il a vu une meuf avec une robe à fleurs et des talons à paillettes. Il a fait, ouais, laisse tomber, j'ai autre chose à foutre. D'accord. Et du coup, non, ça ne se pêchera pas. Disons que, avec Edith, on flotte au niveau de la ligne un peu dangereuse, mais c'est non, parce que forcément il y a une différence d'âge, le prêtre est un prêtre. Et surtout que j'aime bien ce côté un peu prêtre charmeur avec Edith, tout en sachant qu'il se passera jamais rien. Et s'il vient à se passer quelque chose, par exemple là il y avait une interaction qu'elle voulait faire, certainement un câlin, ça aurait pu être mal interprété. T'es pas en état de voir des gens, Georges, on va pas aller à la mairie. Faut que tu reprennes un peu ton souffle. Alors, éventuellement, vu qu'on est là, autant retirer nos chaussures. Oui, toujours. Surtout dans le sable. Ah ouais, je sais très bien que toi, le sable et l'herbe, c'est un peu ce que t'aimes bien faire, hein, reposer tes orteils. Mais non, mais c'est trop agréable. Bon, là il fait nuit donc c'est fou. Ça va être spécial. C'est tout doux. Surtout que tu me connais, Ungoliant. Hein. Tu connais le personnage derrière le streamer. Je suis un peu.
Ça me rappelle un mariage que j'ai fait en début d'été. C'est vrai ? En fait, il y a un mariage en début d'été qui a été fait. Bon, là, je t'avoue que ça devient plus compliqué pour moi, là. Mais, Attends, moi, je suis en robe et toi, t'es en pantalon. C'est ça, j'avais pas fait gaffe. Bah, disons que de là à me mettre complètement nu, bon, voilà, j'ai ma pudeur, mais... Non, mais c'est sûr. Du léopard, j'avais pas vu. Pourquoi ça m'étonne de toi en même temps? Mais t'es pas censé regarder sous les jupes des filles, Georges. Ah bah là, ouais, je suis désolé, hein, c'est parce que là tu t'es baissé, je l'ai vu. Oh, c'est de ma faute en plus. J'appelle juste Louis pour lui dire qu'on est sorti et que tout va bien. Oui, Louis, c'est juste pour te dire que c'est bon. On est redescendu de palais, toi, avec Georges. On prend juste le temps de souffler un petit peu pour se remettre des émotions. Voilà. Allez, à très vite. Alors, bien sûr que tes deux côtés, ça se voit, parce que forcément, les deux, ils s'entendent très très bien et tout ça, et puis il y a forcément quelque chose. Tu sais qui a été touché, t'as vu ? Bah après... J'ai pas eu l'occasion de discuter avec les personnes qui étaient sur les brancards. Ça se trouve, ils se sont juste mis sur les brancards parce que ils pouvaient pas se déplacer, qu'ils étaient en état de choc. Mais bon, après, quand il y a un brancard en général, c'est toujours compliqué. Là, en l'occurrence, il y a eu Ashwin. J'ai cru reconnaître Jamie. J'ai discuté avec Stan, donc lui il avait pas l'air blessé plus que ça, ni ses nouveaux collègues que je connaissais pas. Il y en a un à droite, je pensais que c'était la personne que j'avais croisée en supérette quand j'avais fait mon tour. Mais sa voix n'était pas la même de celle que j'ai cru entendre la première fois. Donc ça veut dire qu'il y a deux personnes avec un mulet au giggling. Après t'es peut-être aussi un peu en état de choc. Je pense que l'état de choc a été surtout beaucoup plus violent parce qu'on est passé d'un moment très très joyeux avec le mariage à bon la maladie, même si du coup c'était plus une maladie qui nous a fait un peu sourire sur le moment de se l'enfiler mutuellement. Oui, ça c'est sûr, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est surtout qu'on est arrivé, ça a été très violent, quoi. Oui. Ah ben surtout apprendre que les tirs, c'était pour eux. Là, c'est dur. Et puis pour ma part, j'avais jamais vu autant de blessés. Alors sur l'île, malheureusement, quand il commence à y avoir des blessés, en général, il y en a beaucoup. Donc je peux pas dire habitué, mais j'ai déjà vécu la situation. Surtout, le pire, c'est les guerres de gang. Quand on apprend qu'il y a deux gangs qui se tapent dessus, les deux services médicaux sont pleins. Et le terme guerre n'est pas usurpé, malheureusement. Ben là, ça avait pas l'air d'être une guerre, du coup, de gang. Ah non, là c'est une prise d'otage qui a extrêmement mal tourné. Mais j'ai pas eu l'occasion de discuter plus que ça avec Stan, donc j'ai pas plus d'infos. Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y en avait encore deux qui étaient sur les lieux. Et les deux, bah, c'est les deux personnes qu'on avait arrivées en brancard. Il faudrait qu'on fasse un message à Revolt pour savoir comment vont les blessés. Je m'en occupe.
Parce que apparemment de Scanistan, c'était les deux patrons d'iVolt en plus. Je gère. En vrai, Ungoliant, si ce qui doit arriver arrive, je trouve ça logique d'un côté parce que c'est toutes les scènes ont été faites pour que, mais je trouverais dommage que le père Georges, alors qu'il a résisté depuis près de 30 ans à la tentation, ait craqué pour une personne qu'il apprécie, certes, hein, c'est un fait, il lui a dit directement qu'il l'appréciait, mais ça m'étonnerait qu'il craque comme ça, en fait. Par contre, je sais très bien que tu as le nez creux, Ungoliant. Parce que surtout que tu me connais. Tu me connais personnellement, pour le coup. Tu sais comment je fonctionne. Parce qu'il faut savoir, messieurs, dames, hein, qu'Ungoliant a subi le Arcand. La technique de travail intensif du Arcand, elle connaît comment ça fonctionne. Voilà, c'est fait. Tu leur as envoyé quoi du coup? Je leur ai dit qu'on avait eu vent de la prise d'otage sur certains des leurs. Ah, bon, c'est rapide. Bonsoir. Ah, alors, vous parlez, ça veut dire que vous êtes en vie. Et c'est franchement une bonne nouvelle. Oui, ça me soulage. Ah. Donc vous faisiez partie de la prise d'otage, c'est ça, mais vous n'avez pas été touché. Mais vous étiez sur le bateau du Giggling? Mais pourquoi Evolt était sur le bateau du Giggling? D'accord, ok, bon, c'est pas le cœur de l'information, mais... D'accord. La question. Certains d'entre vous, c'est ça, et d'autres qui sont restés sur le bateau? Mais il faut savoir que, au tout début, Edith et moi, on était intrigués l'un par l'autre. On avait un intérêt l'un pour l'autre. On avait un vrai intérêt l'un pour l'autre, parce que moi, je sentais qu'elle avait du potentiel, et elle sentait qu'en restant à mes côtés, elle pouvait évoluer. Comment ça se fait qu'ils ont ouvert le feu? C'est le BCSO qui a ouvert le feu. Alors, il y a certaines informations que je ne peux pas vous donner, bien évidemment. Cependant, des remontées que j'ai, c'est que les preneurs d'otages n'ont pas voulu négocier, malheureusement. Voilà, je... Et du coup, oui, il y a eu un rapprochement petit à petit d'Edith, le fait qu'elle soit devenue ma mère adjointe, en plus d'être ma trésorière. Alors, bien évidemment, il est encore trop tôt pour que le fait qu'on habite ensemble. Plus d'informations, surtout que ça a lieu dans le Nord. Donc il y a de la tendresse entre les mois, c'est un fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. Et on le sent de plus en plus. Et du coup, tout le jeu maintenant, ça va être d'être le plus tendre possible. Le jeu, ça va être d'être le plus tendre possible l'un envers l'autre, sans pour autant faire ça. D'accord. Et pour vos patrons, vous avez davantage d'informations ? D'accord, vous savez pas si... D'accord, ok. Très bien.
Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ces informations. Et bon courage. Bonne soirée, au revoir. Peut-être que ça va craquer. Après tout, Engolion, tu sais. Hein. Tu sais que moi, quand je craque, je craque. Mais... D'accord. Alors, ce qui s'est passé... J'ai cru comprendre que les High Vault étaient des criminels. Alors, non, j'ai... Non, ce... Alors, t'es pas en état d'avoir toute la conversation. Je pense que tu vas t'énerver, sinon. Cependant, ce qui s'est passé, c'est non, que mais pour dis-moi une tout, raison que j'ignore... Comme ça, moi, je suis au courant. D'accord. Je suis loin de tout, et la seule personne que je vois à l'horizon, c'est toi. Et comme j'ai prouvé un petit peu plus tôt que je savais me défendre... Alors, c'est pas une question de savoir se défendre, surtout que je veux pas te toucher. Non, non, mais je ne m'inquiète pas à ce sujet, Georges. Et puis, si t'as besoin de te défouler, il y a de quoi courir et taper dans des cailloux, au besoin. Bon. Ou de marcher tout droit jusque l'eau et essayer de voir si moi aussi je sais nager au-dessus. Non, on va pas faire ça. Sinon, je te frappe jusqu'à t'assommer. En pratique, Evolt était sur un des bateaux du Yiling pour une raison que j'ignore. Quand ils ont justement été abordés. Visiblement, le type que j'ai eu au téléphone est un ancien criminel et il pense que les criminels qui ont mené l'assaut l'ont reconnu et donc l'ont pas fait descendre et l'ont laissé sur le bateau. Sinon, une grande partie des autres personnes sont descendues à terre avec les criminels. Le BCSO les a entourés. Le type a dit qu'ils étaient 50 alors qu'il y avait que 5 criminels. Bon, Et il a dit que de toute façon, qu'en fait, d'un coup, le feu... en fait, ça avait ouvert le feu. Mais il a aucune... Il s'est soupe pas. Et en fait, c'est là où en fait, il m'a dit « Oui, de toute façon, vous savez, on est des criminels. » Et moi, j'étais là « Comment ça, vous êtes pas des criminels au... à Evolt ?» Il me dit « Non, mais moi, je suis à Evolt pour le moment, mais je suis un ancien criminel. Mais voilà, pour le moment, je suis à Evolt. » Je sais pas qui était ce type, hein, mais il va falloir qu'on en parle en temps et en heure à Evolt, hein, parce que ça va être un problème. Et il m'a dit qu'il avait pas d'informations sur ses patrons, mais il avait l'air d'en avoir rien à foutre. La seule chose qui l'a vraiment préoccupé, c'est le fait que le BCSO avait ouvert le feu sur les criminels. Quand je lui ai dit que... Ah forcément, tu rates la moitié de la conversation. Des informations qu'on avait, les criminels... ne souhaitait pas négocier et que du coup c'est pour ça que ça avait dû se compliquer. Il m'a dit que de toute façon c'était bien clair que le BCSO ou les Speedy diront jamais que c'est de leur faute, que c'est des cow-boys et que c'est forcément les criminels qui ne peuvent pas... qui peuvent quoi, qui veulent pas négocier quoi. Donc je sais pas quoi faire de cette info parce que c'est quand même important. Et j'ai vraiment envie d'aller le retrouver pour lui péter la gueule aussi, accessoirement, mais... Techniquement, tu as le numéro de la personne. Il t'a pas donné son nom. Non, mais j'ai son numéro, t'inquiète pas. Oui, bah du coup, tu vas pouvoir envoyer ça au BCSO. En disant que c'est concernant ce qui s'est passé hier soir et qu'il y a une personne qui t'a paru bizarre. Ouais. Je ferai ça demain, peut-être plus tôt. Parce que ce soir, ils vont avoir beaucoup d'autres choses à gérer. Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas. Parce que d'un côté, plus vite tu le fais, plus vite t'es débarrassé. Non, mais je m'en fous d'être débarrassé. Moi, ce que je veux, c'est que l'info, elle se perde pas. Je vais demander à Guy, qu'est-ce que t'en penses, c'est son comté. Oui, ça pourrait être pas mal, éventuellement. Qu'est-ce que t'en penses? Puis en plus, c'est un ancien G6. Niveau sécurité, tout ça, il veut bien avoir une idée. Ah, j'ai loupé un appel. Bon, moi, je sais pas qui c'est, mais... attends... Quand je vois ma liste d'appels, ça me fait mal. T'as beaucoup d'appels en absence? Ah non, surtout moi, le nombre d'appels que j'ai passé en moins de 2 minutes. Ah oui, c'est normal. 22h10, 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 22h11, 22h11, 22h11. J'ai enregistré le numéro du type. Je l'ai appelé type Evolt Crimi. Ah mais c'est lui que j'ai rappelé, je suis une idiote.
Non, c'est pas ça. Et du coup, pour revenir sur ce que tu m'as demandé, Ange, le père Georges est de confession chrétienne catholique, ce qui fait que c'est un prêtre qui ne peut pas se marier, avoir de famille, qui techniquement n'est pas censé avoir de métier, il est censé être simplement prêtre. Il a également fait vœu de pauvreté, ce qui fait qu'il n'est pas censé gagner de l'argent pour son bien-être. J'ai une info et je sais pas quoi en faire, alors je t'appelle. Ce qui se passe, j'ai appris que des gars d'Evolt avaient été et faisaient partie des victimes. Donc on a contacté Evolt. Il y a un des leurs qui les a appelés. Visiblement, il était otage sur la. Oula. Il était otage sur la prise. Sur le bateau. Et grosso modo, en résumé, le type c'est un ancien criminel, il pense qu'il n'a pas été descendu du bateau parce que les criminels en exercice ne l'ont pas fait descendre, même si lui il a reconnu personne. Sauf qu'en fait, quand il me parle de ce qui s'est déroulé, il m'explique que de toute façon, c'est le BCSO qui s'est conduit comme un cador. Et en fait, à un moment, il me sort, de toute façon, on est des criminels. Je lui dis, mais vous travaillez à Evolt, Evolt c'est pas des criminels. En fait, il me dit « Ouais, mais moi, je suis un ancien criminel. Je vais certainement retourner criminel. Et de toute façon, on sait très bien que le BCSO et le LSPD disent bien ce qu'ils veulent. » C'est un discours de merde, sauf que qu'est-ce que je fais de ça? J'appelle quelqu'un de chez du BCSO. LSPD, BCSO, les deux. Alors, effectivement, le père Georges n'est pas censé être un drôle, mais c'est pour ça que justement son trait d'humour très particulier fait qu'il aime beaucoup vivre de l'humour. Parce qu'il s'est tellement privé dans sa vie que du coup, tous les moindres petits plaisirs, il aime les prendre. Et en l'occurrence, ce qui se passe en ce moment dans la tête du père Georges, c'est qu'il s'est bien rendu compte lors de, non mais moi lors de la soirée très compliquée logique, entre Edith et lui, le peu d'infos que j'ai, que c'est que il aurait eu du mal à vivre sans Edith. Avec toi. Parce qu'avant, le côté duo, oui. C'était quelque chose qui lui importait beaucoup. Et ce duo, en fait, c'est... Et merde. Les deux. Parce que visiblement, il y a les deux patrons. Fait chier. Et oui, en fait, le père Georges se rend de plus en plus compte. J'ai le numéro du type, parce qu'après, du coup, j'informerai quand même Evolt, parce qu'il adore énormément ce qu'il a dit. Mais il sait également qu'il était plus jeune, que non, lui est lié à l'église. Il n'était pas en colère. Oui, ça aurait pu, et j'aurais compris. Et techniquement, il est marié à l'église. Colère. C'est du dédain qui a. Mais Edith, je suis désolée quand ce qu'elle balance comme phrase, du fait que c'est un criminel. C'est très et difficile pour le père Georges. Parce qu'il est censé rester droit. Parce qu'en fait, il ne s'est pas identifié. Il y a des moments aux personnes couchées à terre de son entreprise. Il s'est identifié aux criminels. Il n'a pas été triste pour les civils qui ont été abattus ce soir. Il a été triste pour les preneurs d'otages. Et ça, c'est inadmissible. Je suis désolée, mais ça me convient pas. Ils ont tiré sur les otages? Les braqueurs ont tiré sur les otages. Bah, il y a Georges à côté de moi, donc bien évidemment, comme en plus c'est mon supérieur hiérarchique, je t'avoue qu'il est au courant. Ok. On garde ça pour nous.
Et ben, courage pour ce joyeux bordel, Guy. Non mais pourquoi ouvrir le feu sur les otages, sur les forces de l'ordre, à la rigueur, ok, mais putain, mais c'est pas possible. Et t'as un chiffre en termes de blessés, que ce soit au total ou dans les otages? Oh bordel de merde. Et BCSO? Oui. Non, et puis même, il y avait tellement de... Quoi, il y avait... Quoi, ça a été catastrophique, ce qui s'est passé. Eh ben, écoute, j'appelle le LSPD, du coup, pour leur filer les infos. Ça te va? Non, BCSO, du coup, shérif. Ouais, mais du coup, je fais quoi de mes infos, en fait? C'est pour ça que je t'ai appelé, quand même, de base. Bah oui. Oui, non, je vais pas empiéter sur ton travail. Je ne vais pas faire ça. Non. Ok, ça marche. Bon, et ben... Ok. T'as... Tu sais quels procs sont là? Ok, ça marche. Ouais, je pense que je vais faire ça, j'ai son numéro en plus. Ok, bon, bah je te retiens pas plus alors. À plus tard. Déroulé de ce qui s'est passé, en fait, visiblement, les preneurs d'otages avaient prévu de faire la banque de Palito, de ce que j'ai compris. Et quand ils ont vu que le BCSO avait réagi rapidement et qu'il les avait encerclés, les preneurs d'otages ont décidé de tirer sur les otages. Actuellement, en termes de blessés, il y a les 5 preneurs d'otages qui ont été abattus, mais malheureusement également les 4 otages. En fait, au début, il y a 3 premiers otages qui ont été libérés. Donc ceux-là vont bien. Je crois que c'est ceux qu'on a croisés justement, avec qui tu as discuté. Et après, les 4 autres ont été abattus par les braqueurs, enfin les potentiels braqueurs. Je vais me permettre d'appeler le procureur juste pour lui donner mes infos. Guy m'a demandé de faire ça. Oui, visiblement, ça, on est sûr que c'est bien. Ça, en tout cas, en tant que maire, que c'est une action conjointe de l'ensemble de nos forces de police, mais également des médecins de Lille. Les criminels ne sont bien évidemment pas dans le même hôpital. Ah bah, il y a intérêt. Donc voilà. Je vais appeler le procureur Balthazar. Est-ce que tu veux que je m'éloigne pour que tu puisses être un peu tranquille avec tes pensées? C'est comme tu le sens. Ou tu préfères. Si tu veux t'éloigner de moi, il n'y a pas de problème. Je veux pas du tout m'éloigner de toi. Mais je pense que ça fait beaucoup d'informations pour toi. À force de voir cette eau, je me dis qu'il va bien falloir que je retire mes vêtements pour aller m'y plonger. Ça va peut-être me laver de toutes mes pensées noires. Tant que tu te noies pas et que tu te mets pas en danger, tu fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'on est là. Parce que je pense que t'enfermer dans un bâtiment, c'est pas une bonne idée. Miaou. Tu as raison. Je pense que t'as besoin d'un petit peu d'air. Bah là, il y a plein d'air. Hein. Et c'est pour ça qu'on est là. Et coucou Joker Destiny, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un excellent live avec tout le monde de ton côté. Je me permets de vous contacter parce que j'ai appris que Evolt faisait partie, quoi, que certains salariés d'Evolt faisaient partie des otages ce soir. Je les ai donc contactés et j'ai l'un des otages qui est sorti indemne, qui en fait qui n'est même pas descendu du bas.
bateau. Sauf que les propos relatés par cette personne m'ont profondément choqué et je ne sais pas quoi faire de ces informations. Eh ben, moi je personnellement, ça va super. Ton numéro que je peux bien évidemment vous faire parvenir. Le jeu est lent, trop lent, tu m'étonnes. Visiblement, cette personne faisait partie de la criminalité avant d'intégrer Evolt et projette d'y retourner après Evolt. Et en fait, à un moment, il m'a dit, oh, de toute façon, nous, on est des criminels, on sait bien que les forces de police nous... Ah ouais, tu penses que tu vas stopper carrément ? Ah ouais. Et en fait, j'étais là, mais Evolt, c'est pas des criminels. Et en fait, il était clairement du côté des criminels et il n'y avait pas de peur ou... Dans sa voix, il y avait clairement du dédain. Et je suis profondément choquée par ses paroles, que ce soit à la fois je me mets à la place des patrons d'Evolt, mais surtout que... bien évidemment, mais c'est surtout au niveau de votre affaire. Parce que visiblement, il m'a touché un mot comme quoi il pense que la raison pour laquelle il n'a pas été descendu du bateau, c'est que les criminels l'ont reconnu. Je pensais pas que c'était si lent, parce que j'avais vu le titre de ton live, et je me suis dit, on reprend ce jeu long, mais on discute de sujets particuliers. J'étais en mode... Qu'est-ce que je fais de ça ? Ah ouais. Je suis en mode, c'est lent, mais ok, pas de soucis. Mais apparemment, si tu penses que tu vas stopper, ah ouais. Dur. Je ne sais pas, je n'ai pas son nom. Mais peut-être, je... Après, n'hésite pas à dire que tu as son numéro, hein, comme ça tu peux lui donner. Je vous l'envoie par message, ça vous va ? Bon courage et merci à vous. Ok, alors ce type. 2 heures pour un plateau, sachant qu'il y en a 99 et que si tu perds, tu recommences le plateau au début. Oui, effectivement, ouais. 2 heures le plateau. Au moins, c'est bien. Quand tu achètes un jeu où tu sais que tu vas en avoir pour ton argent en termes d'heures, c'est pas mal. Mais si c'est du remplissage pour du remplissage, c'est compliqué, oui. Tu sais, je pense qu'on va arrêter de faire des trucs pour amour et partage parce qu'à chaque fois, il arrive des dingueries quand même. Mais encore, t'as pas tout vécu. Mais j'avais mis une robe à fleurs, Georges, pour que ça se passe bien. Mais ça va très bien. Oui, mais c'est quand même passé des dingueries. Mais ça, il s'est passé des dingueries parce que t'as mis du léopard, c'est tout. Non, quand j'ai du léopard, tout se passe très bien. Ou alors c'est quand il y a du léopard et que je suis en ta présence. Il y a peut-être une corrélation là-dessus. Je sais pas, mais il va peut-être falloir qu'on fasse des statistiques. En réalité, je t'ai dit qu'on pouvait pas t'enfermer dans une mairie, mais moi non plus, j'aurais pas pu m'enfermer dans un document. Dans un bâtiment. Est-ce que dans un document, oui, effectivement. Je crois que je suis un petit peu plus chamboulée que ce que je veux bien me l'avouer. Puis il y a peut-être aussi un peu de fatigue. T'as beaucoup forcé ce week-end. T'as vraiment publié un truc depuis la plage ? Oui. J'avais besoin de me... De te concentrer un peu sur du boulot. Voilà. J'avais besoin d'évacuer ce que j'avais. Puis comme ça, pour une fois, il sera publié vraiment le dimanche. Parce que à la base, je voulais le publier sur les coups de 18h. Mais je me suis dit, avec le communiqué conjoint, je préférais laisser le communiqué BCS, LSOS. Mais bon, là... T'as vu le mail de Jack ? Parce que forcément, c'est un petit peu déphasé avec ce qui se passe.
Ah oui, d'accord. C'est du grand Jack, j'ai envie de dire. Bah, il peut pas savoir. Non, il peut pas savoir, c'est sûr, mais ça me fait sourire parce que sans le vouloir, il est égal à lui-même. Je pense que Jack, s'il aurait voulu faire une carrière d'humoriste, il aurait certainement été redoutable. Mais un peu à ses dépens parfois quand même. Il a un petit côté ancien président français. Mais ça fait une partie de son charme, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, autant travailler avec lui en tant que maire adjoint, c'est faisable, mais en tant que maire, je pense que je l'aurais buté. Vraiment, je pense que je l'aurais le mangé. Le retour de Dionette. Non, mais vraiment. Après, techniquement, on a vu un nouveau véhicule pour la nouvelle patrouille. Oui, certainement. Oui, en effet. Mais on m'avait annoncé qu'il devait être gris. Je l'ai trouvé plutôt blanc, ce véhicule. Après, c'est peut-être aussi ma vision qui me fait défaut, mais... Je pense surtout que tu essaies de te concentrer sur des faits improbables pour essayer de passer à autre chose. Ah mais tu sais très bien que j'ai un sens du détail très particulier. Bah surtout quand t'es en état de choc, ouais. Bah en ce cas, je suis en état de choc à chaque fois que je te vois. Genre, merci, c'est mignon. Mais j'ai pas fait attention à la couleur des véhicules, non. Ça c'est la spéciale engueulante. Je t'avoue que j'étais en train de ronger mon frein. J'étais partagée entre traiter l'autre connard de cow-boy, ce qui n'aurait pas été productif, et te dire que t'étais pas obligée de conduire aussi vite. Ah bah surtout que je savais très bien en mettant pas mon limiteur que j'allais me prendre des radars. T'as vu que j'ai freiné sur le radar en plus. Hein. Mais je me souviens pas à quel moment il a commencé à nous courser. Par je contre, sais pas, je m'en suis rendu compte, on était presque arrivés en fait. Mais en fait, j'ai beau avoir essayé de me souvenir de quel moment j'ai entendu la sirène, mais... Surtout qu'en vrai on roulait pas si vite que ça, j'ai même pas compris ce qu'il nous reprochait. À mon avis, on a dû passer vraiment comme des tarés sur la route. Parce qu'on rappelle que c'est 140, hein. J'ai pas souvenir exactement de combien je roulais, mais... C'était pas sérieux, quoi. Non, et puis en vrai, c'est surtout l'enchaînement des événements, quoi. C'est vrai que c'est une soirée qui n'est pas évidente. Mais tu veux une bonne nouvelle sur cette soirée pas évidente ? Alors, une bonne nouvelle, je veux bien. Ben, on est tous les deux soudés cette fois-ci. Oui, mais on est quand même... Et on regarde dans la même direction. Ah, mais... Oui, parce qu'un peu plus tôt cette semaine, ça a été... On regardait plutôt quoi. Bah, disons qu'on regardait dans la même direction, mais avec des façons très opposées de regarder. Bah, on était un peu en opposition tout court. Alors que là, c'est pas le cas. Et, pourtant, dans c'est l'opposition, déjà ça pris. Quand tu regardes les musiques qu'on avait tous les deux en tête à ce moment-là, on était relativement en accord, toi et moi. Alors oui, que nous étions en opposition. Je sais pas comment c'est censé être humainement possible, mais... Mais c'est fait. De toute façon, il y a beaucoup de choses que je comprends pas, mais c'est comme ça.
Oui, et puis de toute façon, on n'est pas obligé de tout comprendre. Non, je pense pas. C'est la nature même de l'homme de se poser des questions. Ouais. T'en penses quoi de Balthazar ? Je sais pas. Non, parce que ça... Alors, c'est peut-être aussi on n'était pas dans des situations optimales, mais... Enfin, je lui ai parlé trois fois. La première fois, ça s'est bien passé, c'était détente et tout, machin, parce que j'étais curieuse et qu'il me posait des... Enfin, je lui posais des questions sur taf. Mais les deux autres fois, à chaque fois, j'ai vraiment eu envie de parler comme une peste, quoi. Alors, en l'occurrence, Balthazar, la première fois que je lui ai parlé quand il était proc, il m'a donné toutes les infos que je voulais pour m'aider pour le dossier d'amour et partage. D'accord. La deuxième fois qu'on s'est parlé, je me suis légèrement foutu de sa gueule, puisqu'il demandait à vérifier les diplômes du Giggling Squid, alors que le Giggling Squid n'a pas de diplôme officiel. D'accord. Bon, après, j'étais pas le seul à me foutre de lui, c'est parce que on y a tous été un peu de notre imagination pour ça. Mais après, quand je le croisais, je lui parlais pas plus que ça. Il était présent, j'étais présent, mais sans qu'on discute véritablement. Donc, j'estime que ça peut être un très bon proc, mais qu'il a certainement ses humeurs et que je sais pas. Après, il a peut-être aussi des heures au compteur, hein, ça se peut aussi. Parce que, c'est possible, oui. À force de travailler, hein, forcément, on n'est plus. On n'est plus pareil. Trop de fatigue accumulée, c'est jamais bon. Ah, je suis à peu près sûr que ça s'écrit pas comme ça, bien sûr. Ça s'écrit pas du tout comme ça. Effectivement. Tant pis. Effectivement. C'est peut-être une lettre de trop, ouais. Il y a deux orthographes possibles, mais ça en fait pas. Ça en fait pas partie. Non, non. Même pour moi. Est-ce que tu as ce qu'il faut à manger et à boire ? Oh, c'est une question... Ouais, du coup, j'ai viré, bien sûr, hein, parce que ça m'est saoulé. J'ai encore pas mal de lemon. J'ai pas mal à boire et j'ai encore trois plateaux de sushi. Bon, pour l'instant, ça devrait aller, alors. Et toi ? Moi, j'ai pris plus parce que je me suis dit, on sait jamais avec le mariage qui risquait de durer. Ouais. Mais pour le coup, et encore, c'est... j'ai trouvé que j'avais pris beaucoup, mais... Moi, il m'en reste encore 10-15. Hein. Et oui. C'est l'expérience. Bah surtout que là, pour le coup, l'expérience n'a pas vraiment compté, étant donné que je suis le dernier à être arrivé. Comment ça, t'es le dernier à être arrivé ? Au niveau de la cérémonie, on m'attendait. Ah oui, oui. Alors que d'habitude, j'arrive toujours le premier. C'est à peine si le Black Cat avait fini de faire sa préparation. En tout cas, c'était beau, hein. Oh la vache. C'était très très beau. Disons que je savais pas trop où ça allait nous mener. Le premier discours... Oh putain, c'est un bouffon, hein. Ah, il m'a... Oh là là, il m'a fumé. Ah, mais il m'a fait sourire. Mais c'est bien parce que c'était un beau mariage, j'estime, parce que on a ri... On a chanté. J'ai eu une petite larme en écoutant le discours de madame. C'était... Même le discours de monsieur était très touchant. Le discours de monsieur était touchant, mais... Avec le stress, il avait tendance à parler un peu vite. C'est vrai que t'es très sensible au tempo. Ah bah moi, forcément, t'as bien vu. Hein. Je ralentis au maximum mes phrases, je coupe au maximum de façon à ce que tout le monde puisse les entendre. Et donc forcément, le tempo dans une phrase est très important.
C'est très important d'avoir le rythme dans la peau, comme on dit. Rejoindre son événement. Il avait demandé sa soirée demain. Alors, je me souviens qu'il avait demandé pour une permanence de quelque chose. Bah c'était c'est demain. Est-ce que ça te fait un peu de bien d'être sur la plage? Est-ce que tu respires un peu mieux? La plage en tant que telle ne me fait pas forcément du bien. Je pense que c'est surtout le bruit du vent sur l'eau. Ça me rappelle ouais, un peu je sais ce que tu veux dire. Quand je médite, Ouais, d'ailleurs, médite et édite, ça rime, bien de m'en rendre compte. Oui, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que tu m'apaises alors. Ça doit être ça. Tu sais, je pense que j'apaise pas tout le monde sur cette île en plus. Ah bah, y a des chances parce que t'es très énergique, mais moi, tu me fais un bien fou. Mais oui, du coup, quand je me mets à méditer, je réfléchis et je pense à une goutte. C'est bête, hein, mais je commence par imaginer une goutte qui tombe. Et petit à petit, forcément, à force qu'il y ait des gouttes qui tombent, ça fait un début de flaque qui fait de plus en plus de bruit. Et une fois que j'ai réussi à faire en sorte de me concentrer véritablement sur le bruit, sur le tempo de la goutte qui tombe, j'essaie d'imaginer du coup l'ampleur de la flaque en question. Et à partir de là, je m'imagine un lac. Et c'est comme ça que mon chemin de pensée me permet de créer mon palais mental. Donc forcément, quand j'entends le bruit du vent sur l'eau, ça me rappelle un peu le palais mental que je me crée quand j'essaie de me prendre du temps, de réfléchir. Je comprends. Moi, c'est l'odeur du sel, de l'eau salée, l'épaisseur dans l'air. Je trouve que c'est réconfortant. Je trouve que c'est très réconfortant, ouais. Tu sens presque l'océan sur ta langue. C'est très agréable. Ah bah, ça je veux bien le croire. Après, moi c'est vrai que après avoir bu une tasse, en général, l'océan très agréable sur la langue, on le ressent pas tout de suite. Non, mais quand on respire l'air. Oui, bien sûr. Bah avant de boire la tasse, c'est sûr que c'est très agréable. Après tu te dis, ouais, finalement l'eau, c'est dangereux. Après, normalement, si on reste sur le sable, on va pas se noyer. Normalement. Une gueule lente, non. Le pire, c'est que j'y pensais. Ah, terrible. Du coup, merci de t'être arrêté ici. Je me suis dit que c'était nécessaire. Pour nous deux. Puis mine de rien, c'était encore jamais vraiment posé comme ça. Bon, c'est vrai, bah d'habitude je te propose des choses un peu plus citadines, hein, te poser sur un banc, au milieu de nulle part, te raconter des histoires. Moi ce soir on les a vécues les histoires. Hein. Oui. Putain. Il y a eu beaucoup d'informations à avaler, c'est sûr. Formation, c'est presque ce qui m'a permis un peu de rester calme, de pouvoir être pragmatique. C'était plus les émotions, de voir tous ces blessés, de voir les forces de l'ordre si sérieuses et consternées par la situation. C'était éprouvant. J'avais jamais vécu ça.
J'avais jamais vu de blessé par balle en fait. Puis ils étaient si nombreux. Oui, c'est sûr que pour une première fois, tu n'as pas vraiment été gâté. De toute façon, depuis que je suis sur l'île, je suis pas trop connu pour faire dans la demi-mesure. On va dire aussi que je t'ai beaucoup forcé à avoir des situations pas banales. Ah, Jimmy qui m'appelle. Eh oui, Jimmy. J'étais un peu occupé, oui. Oui, je sais. Je t'ai appelé dans le panique. J'ai essayé d'appeler tout le monde du Giggling. Tous ceux que j'avais. Ouais. Parce que quand j'ai appris que c'était le Giggling, quand j'étais au BCES, j'ai essayé d'appeler tous les numéros que je connaissais. Je voulais des infos. Ouais. Puis quand j'ai vu que personne ne me répondait, je me suis dit que ça devait être compliqué. Ça l'est. Mais je sais. J'étais au BCES quand j'ai vu tous les brancards arriver petit à petit. Au niveau des blessures. Ouais, ça, on va dire que ça va de mon côté, quoi. C'est, enfin, ça va. Il y a la jambe et le bras compris, quoi. Rien de vital, alors? Non, non. Ok. Et pour les autres? Il y a H qui est encore dans le coma. H dans le coma, d'accord. Alors, ça devrait... Ça devrait aller, mais c'est... Voilà, il est dans le coma, donc c'est pas... On sait jamais vraiment quoi. Oui, ça peut durer un peu de temps, comme ça peut être assez rapide. C'est ça. Faut se dire que qu'elle se repose. Oui. Et du coup, mis à part H, les autres sont sortis. Oui, ceux qui sont tirés dessus, c'était nous, les deux patrons du Volt. D'accord. Oui, ils sont pas venus au meilleur moment pour se faire régler une facture, faut croire. Ah non, c'est sûr. Mauvais timing. En même temps, ça nous connaît, les mauvais timings. Bah c'est, oui. Une spécialité de la maison. Aujourd'hui, exceptionnellement, je veux bien que tu dises que c'est le Nautilus. Putain, je sais même pas quel bateau ils avaient. Si c'était le Nautilus, faut pas chercher. Hein. Pour le coup, je veux bien que tu me le dises. Oh putain, faut que j'aille voir Robin. Faut que je te demande si c'était quel bateau. Mais c'est tellement loin en fauteuil. Bon, t'auras la réponse dans 2 jours, le temps que j'arrive. Ah, il faut 2 jours pour arriver. Ah bah, le fauteuil, c'est pas le moyen de locomotion le plus rapide. Ah bah, surtout une fois arrivé dans le sable et dans la boue, oui. Oui. Mais bon, t'en fais pas, y a pas de soucis. Mais oui, du coup, j'espère que vous allez tenir le coup. J'ai envoyé un message à l'entreprise aussi, quand j'ai vu tous les brancards arriver sur BCES. Ok. Je vais laisser un petit message à l'entreprise. Toutes mes prières sont pour vous. J'espère que vous allez réussir à remonter un peu la pente. Ouais, bon, ça devrait aller, quoi. Je t'avoue que c'est un peu le dernier de mes soucis. Là. Oui, je me dis bien. Mais repose-toi, c'est important. Ouais. J'arrêterai pas de le dire, tu le sais, mais là, c'est très important pour vous. Oui, je vais peut-être le faire un peu pour une fois. J'ai pas vraiment le choix, là. Et l'église ne te donne pas le choix non plus. Oui, alors... C'est le poids que l'église a dans ton cœur, hein, mais... Chaque chose en son temps. Oui, je sais bien. Mais bon, c'est important de te reposer. Merci de m'avoir rappelé, du coup, pour avoir des informations. Mais, ouais, bonne soirée à toi. Et tiens-moi au courant quand tu commences à te sentir un peu mieux. Merci. Bon courage. À plus. À plus. Bon, alors Jamie se retrouve en fauteuil. Les deux jambes et les bras ont pris. Ashwin est toujours dans le coma. Et merde. Et son pronostic vital est engagé ?
Il n'a pas eu beaucoup d'informations, mais ça avait l'air de d'être stable. J'espère qu'elle se réveillera rapidement. Et du coup, il m'a dit que Eyevolt était venu pour régler une facture. C'est pas possible. Mais ça, c'est les timings du Giggling Squid. Ça, on est spécialiste pour ça. Ouais. Mais pourquoi eux? Ah bah si vous voulez faire la banque de Paleto, c'est une des entreprises les plus rapides à avoir en dehors des entreprises directes de Paleto. Ouais, du coup ils pouvaient accéder au lieu en bateau, c'est pour ça qu'ils étaient sur le bateau. Bah je pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de prendre un bateau en même temps que les otages. Ok, je vous... Apparemment, Eyevolt s'en serait sorti également au niveau des patrons. Ok, d'accord. Mais il m'a pas donné plus d'infos que ça. On verra bien. Vu l'heure qu'il est-ce que tu veux aller te reposer pour être en forme demain? Je pense qu'on va faire ça, oui. Toi comme moi. Je pense qu'on a besoin de repos. Enfin, je suis pas sûre de réussir à trouver le sommeil tout de suite. Mais au moins essayer. Au pire, si t'y arrives pas, hein, tu peux toujours regarder mon film préféré. Je sais comment m'occuper comme ça. Ah, tu vas découvrir un pan de ma personnalité que personne sur l'île n'imagine. C'est vrai. Je pense que je suis au courant de beaucoup de pans de ta personnalité que personne ne pense sur l'île. Alors oui, c'est vrai que t'as eu pas mal d'infos quand même. Je pense que je suis une privilégiée. Tu l'es totalement. Allez, on se rentre. Eh ben, j'ai réussi à passer l'air... Mon cul pour une fois, c'est rare. T'es un poète. Ah mais je suis un spécialiste. Veux-tu que je conduise ou pas? C'est comme tu le sens. J'ai un peu des maux de tête, donc oui. D'accord. Si tu... Conduire sans chaussures, ça aurait été compliqué. Oui, c'est vrai. Bon, alors cette voiture n'est pas faite pour ça, mais elle le fait bien. Effectivement. Et puis elle a été super belle sur le sable. Alors, je t'avoue que je l'ai pas regardé plus que ça. Hein. J'ai juste besoin de changer un peu de sujet pour... m'alléger l'esprit. Alors pour m'alléger l'esprit, j'ai eu plein de choses en tête, mais... C'est vrai? Comme oui. Quoi? Bah comme je l'ai dit, hein, j'ai pensé à la méditation, Tu sais que ça m'a apaisé de t'entendre m'expliquer? Ah bon? Oui. Est-ce que tu veux qu'on rentre directement à la maison? Oui, 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 oui. Je vais... Je sais même pas si c'est encore ouvert, les mairies. On voulait être beaucoup ouvert, on l'est beaucoup, hein, en tout cas. Le premier qui me dit que la mairie, elle est pas ouverte... Oui, c'est sûr. J'essaie d'appeler Louis. Ah oui, le point GPS, c'est la mairie. Oui, je sais, je sais. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu voulais qu'on rentre directement. Non, mais tu sais, je l'avais mis tout à l'heure. C'est pour ça. À l'espace d'un moment, j'ai cru qu'ils allaient encore nous tomber dessus.
Franchement, ça aurait été la poisse. Bah, surtout que là, je suis en limiteur 90, hein, donc s'il me dit quoi que ce soit. T'auras le droit de le manger. C'est pour te dire qu'avec Georges, vu les émotions de la soirée, on va aller se coucher. Bonne soirée, repousse-toi bien. Et t'arrives à avoir des gens à cette heure-ci ? Oui, attends, on passe au conseil, Georges. Parfait. Bon, bah écoute, je te laisse pas dire. Bisous. Fais chier. On aura essayé. Oui, Louis. T'inquiète, j'ai eu Paddy. C'est pour ça, c'est bon. C'est juste pour vous dire qu'on va aller se coucher vu tous les repas. Et ben bonne soirée, à demain, bye. Va falloir qu'on s'arrête pour mettre de l'essence, non? Oui, t'inquiète pas, c'est prévu. L'avantage qu'on a, c'est qu'on habite à côté de deux stations. C'est vrai qu'on a l'embarras du choix. Tu commences à avoir une belle fatigue. C'est rare que je te vois bailler à ce point. Ouais, mais mine de rien, je me suis levé tôt en fait. Ah, ça fait aujourd'hui. Deux jours. Hein. Bah, t'as vu ? Mais oui. J'ai pu, je l'ai fait. Et moi, je t'ai abandonné lâchement. Alors, j'ai cru voir que tu me parlais, mais je ne t'entendais pas. Non, j'ai hurlé devant la facture. Ah, toi aussi. Là, je pense qu'on était sur les alentours des 120-140, là. 120, je crois, un truc comme ça. Là, c'est excessivement cher. Ouais. Mais bon, on aura bien roulé pour une fois. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Attends, la rentre pas tout de suite. Elle a une sacrée balafre sur le côté. Ah bon, j'ai pas fait gaffe. Oui, elle était très abîmée sur le côté droit, à l'arrière. Ah oui, mais c'est des choses qui arrivent.
Oui. Non mais toi faut que t'arrêtes de filmer sous notre porche hein, parce que je vais être désagréable un jour. Bref. C'est peut-être ça, la fameuse protection vagos dont on parlait. Ah. Mais bon. Je veux pas tout de suite. Bah bonne nuit. Bonne soirée. Oui, repose-toi. Ah, oh, putain. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Messieurs, dames, pour une fois, et là je mets ma cam en grand, bonjour, rebonjour, pour une fois, nous avons réussi à quitter le RP avant minuit, 23h30, on a pu quitter le RP, 22h38 techniquement, mais... Et du coup, il faut savoir qu'en fait, je suis très content d'avoir réussi à me coucher avant minuit, enfin, en RP, puisque je rappelle que... Le lundi matin, vu que je ne peux plus être là à 3h du mat, je peux du coup pas faire la fermeture, enfin la clôture de semaine. Ce qui fait que la clôture de semaine, je vais tenter de la faire au moment de me lever. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je réussisse à me connecter en RP, que je joue en RP pour voir le maximum. Et... réussir à mettre tous les chiffres à jour, parce que si j'arrive à rentrer à 0% sur le ratio, ça veut dire que j'ai réussi mon truc et je suis vraiment heureux. Mais bon, on verra. Hein. On verra. Ça a été une bonne soirée de RP. J'ai passé un excellent moment avec Edith. Ça m'a vraiment fait du bien. Et le fait que j'ai réussi à la détendre en parlant un peu de ma façon de méditer, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il faut savoir que du coup, en termes de méditation pure, moi ce que je m'imagine sur mon palais mental, comme je l'ai appelé, en gros, il y a la goutte d'eau qui tombe petit à petit, puis ça devient une flaque. Cette flaque, j'essaie de l'imaginer comme une sorte de lac. Au milieu de ce lac, il y a moi qui suis sur une île, une petite île. Et autour de ce lac, je commence à faire apparaître des cascades. Du coup, il y a un bruit d'eau qui tombe en continu. C'est plus une goutte, mais un bruit d'eau en continu qui tombe. Et à partir de là, j'arrive à m'imaginer entre une, deux, voire trois cascades. Une fois, j'ai réussi à faire trois cascades. Et du coup, il y a des zones très vallonnées. Je m'imagine des arbres. Et avec ces arbres, j'imagine le vent dans les feuilles. À partir de là, je peux tout imaginer. J'ai réussi à m'imaginer des oiseaux qui chantent. Alors c'est souvent le piou 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 piou, c'est pas dingue, mais t'arrives à t'imaginer qu'il y a des oiseaux. Et petit à petit, c'est comme ça que ma méditation, en fait, elle part de rien, et puis ça grandit, jusqu'au point où en fait je peux tellement tout imaginer que dès que je commence à me concentrer sur les choses qui m'intéressent au moment dit, bah du coup en fait je suis tout à fait concentré pour réfléchir à tout le reste. Et donc techniquement, ça doit bien se passer. Mais bon, on verra bien. Demain matin, j'espère pouvoir me connecter. Si je peux me connecter demain matin, ça va être trop bien. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir faire ma compta. Et juste après, je vais pouvoir partir. Parce que du coup, demain matin, c'est 10h le boulot. Mais... comme il n'y a plus d'essence nulle part, parce que les connards savent pas ce que ça veut dire pénurie. En fait, la pénurie dont on entend parler sur les journaux, qui font que les gens se jettent sur les pompes, et que du coup ils créent la pénurie eux-mêmes, moi ça me casse les roules. Moi je regarde plus la télé justement pour éviter de me faire matrixer comme les animaux. Là. Parce que globalement, ma sœur... quand elle est venue, elle avait loué un camion pour le déménagement. Et bien sûr, quand on loue un camion, il faut faire le plein.
Et arrivé là, on s'est retrouvé à chercher une station où il y avait possibilité de faire le plein ou pas. Et c'était un enfer, parce qu'il y avait soit de la queue partout, soit c'était fermé. Et là, autour de chez moi, dans ma ville, pas une seule pompe. Dans une ville qui a 15 minutes, pas une seule pompe sur les 3. Et c'était que ça. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est que vendredi, j'ai vu qu'il y avait 1h30 de queue à côté de mon boulot. Et moi, j'avais pas besoin tant que ça d'essence. J'étais pas loin de la réserve, mais je me disais, c'est bon, ça va passer. Et ben, figurez-vous que comme il a fallu que je fasse plusieurs allers-retours quand il y a eu ma soeur qui est venue pour faire le pseudo-déménagement, c'est juste virer des trucs de la baraque de ma mère pour la vider petit à petit. Sauf que du coup, il a fallu que je les fasse, ces allers-retours. Et du coup, je me suis retrouvé en réserve. Et au moment où je me suis retrouvé en réserve, j'ai fait « Eh merde !» Je me suis dit « Eh merde !» parce que... pas d'essence. Du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, vu que je suis en réserve, à quel endroit je vais pouvoir aller faire de l'essence. Je me suis dit, bon, vu qu'elle m'avait dit qu'à tel endroit, il y avait apparemment l'affichage des prix, c'est que c'est certainement qu'on y a été tous les trois, du coup, ma sœur, son homme et moi, on y a été, et ben non, en fait. Il y avait l'affichage des prix, mais les pompes étaient fermées. Du coup, je vois. Et du coup, je me suis retrouvé comme un connard parce que j'avais pas beaucoup d'essence. J'ai fait 30 minutes de route, du coup, hein, 15 et 15, alors que j'avais pas d'essence de base. J'étais déjà en voyant de réserve et je me suis dit, putain, ça se trouve, je vais pas avoir assez pour aller au boulot demain. Donc, demain matin, il faut que je croise fort les doigts pour me dire, je vais tout droit jusqu'au boulot. J'espère qu'il n'y a pas grand monde sur la pompe. J'espère que la pompe sera ouverte. Heureux et bonne nuit, je me suis éclipsé pour promener les chiens et là je suis au dodo, je suis claqué. Monessence.fr, c'est assez à jour. On va regarder ça. Monessence.fr. Ah d'accord, c'est à pénurie point mon essence. Vraiment? Ah, mieux. Mieux. Alors. J'ai eu un espoir, puisque la pompe à côté de mon boulot, elle n'était pas marquée en barré, et c'était marqué carburant manquant ou indisponible, 100 95 gasoil. C'est compliqué ça parce que là
Alors, je t'avoue que je vais avoir beaucoup trop de trucs à faire demain matin. Parce que demain matin, il faut que je fasse la compta de la mairie. Ce qui fait qu'il faut que j'arrive à me connecter en RP en espérant que ça plante pas. Parce que si ça plante. En fait, si ça plante et que j'ai pas de helper pour m'aider à me reconnecter, bah rip en fait. Je vais me faire enculer. Alors, de ce que je vois. De ce que je vois, hein, sur les 30 km alentour, non, allez, 25 km alentour, il y a deux pompes. Il y a deux pompes, dont une où apparemment il manque du 95. Et vu que je vois qu'il y a du 95, s'il manque que du 95, je peux éventuellement mettre du 98. Je peux mettre du 98, c'est du sans plomb, donc c'est pas un problème normalement. Il n'y a aucun danger à mélanger les deux. Oh, mais 95 et E10, faut être. Faut être. Enfin, j'ai déjà mis du E10. J'ai déjà mis du E10. Mais par contre, elle fume un petit peu, quoi. Hein. Quand tu mets du E10 et que la voiture elle est pas pour, elle te le fait remarquer, hein. Moi, je me souviens la première fois que j'ai mis du E10. La dernière fois que j'ai mis du E10, c'était waouh. Parce que j'avais des soucis avec ma voiture et j'ai mis du E10. Et je me suis dit, putain, c'est moi ou elle fume plus que d'habitude? Et le problème, c'est que c'était à l'époque où j'avais encore mon pot d'échappement. Maintenant que je l'ai plus, imaginez si ça fume d'en dessous. Je vais m'en fumer, moi. Parce que j'ai toujours pas de pot d'échappement hein, depuis qu'il est tombé. Hein. Enfin, depuis que je l'ai fait retirer par le garage. Bon, apparemment, à côté de mon boulot, la pompe, il reste encore. Il n'y a plus de 95 ni de gasoil, mais apparemment, il reste d'autres choses. Donc avec un peu de chance, il y a peut-être du 98, auquel cas je peux me faire un petit peu de 98. Même si c'est pas un plein. Si je me fais un 30 balles de 98, bon, ça va me faire tenir un petit peu, quoi. Au moins une semaine. On verra. Bon, 23h50, j'ai dit qu'il fallait que je me couche avant minuit. Du coup, je vous fais à tous des bisous. Et j'en fais encore plus. À Ungoliant, bien sûr. Regarde toutes les heures, les gens tournent la nuit pour faire leur plein. Quelle bande de bâtards. Moi, c'est pareil. Hein. On discutait avec une de mes N plus 3 et elle disait, une fois, j'ai vu un mec venir avec un bidon. Il a fait remplir un bidon et il a fait remplir sa citerne. Il a mis une citerne sur une remorque pour être sûr de ne pas manquer pendant la pénurie. Ah, mais tu peux rester jalouse, Ange. Ungoliant va te battre à tous les niveaux. Hein. Tu ne peux pas rivaliser. Ungoliant possède mon cœur. Donc, forcément, à partir de là, ça devient plus compliqué. Ah, bah, je vais te laisser bouder, malheureusement. Je suis définitif sur mon avis. Et tu nous as battus. Non. Non, non. Ungoliant, tu restes toujours numéro 1. Edith est la numéro 1 du Père Georges. Mais pour Jean-Patrick et pour Arcande, ça reste toujours Ungoliant la meilleure. Bon,
52, il faut vraiment que j'y aille. Si tu nous parles pas avec ta petite voix moelleuse. J'ai le nez cru, je te dis. Non, mais une gueulante. Tous les deux, on sait bien, toi et moi, on sait bien que quand je commence à avoir la queue qui frétille, ça s'entend direct. Bon, on hâte les conneries. Allez, il faut que j'aille me coucher, parce que sinon je vais jamais faire ma compta, et si je fais pas ma compta, je vais partir en retard pour le boulot. Parce que là, il faut que je parte plus tôt que d'habitude pour espérer avoir de l'essence. Donc là, vraiment, il faut que je me motive, quoi. Bref, ceci est une fin de stream. Je vous fais des énormes bisous à tous ceux qui sont encore là. Et je fais surtout des énormes bisous à Ingoliant. Un raid ? Est-ce que je raid ? En vrai, je peux raid. Oui, on va. Am, stram, gram, piqué, piqué. En vrai, je peux raid. Bourré, bourré. En vrai, je peux raid. Tam, am, stram, gram. Oui, on va. Am. Bon, on va raid du RP du coup. On va raid du RP. Tu fais les gros bisous à Angéou. Et après, c'est moi qui vais être jaloux là. Vous pensez un peu au streamer, le pauvre? Seul contre tous. Non, mais t'as raison, gueulante. Faudrait que j'en parle avec Elite. Non. Non, de toute façon, je suis très arrêté sur le sujet. Allez, des bisous. Ceci est une fin de stream, et cette fois, c'est l'officiel. À demain. Je vous aime. Et normalement, je suis de retour vers 18h30, 19h. Peut-être. Peut-être 18h30, 19h. Et si je décide de manger avant, ce sera certainement 20h maxi. Mais on verra. Des bisous. Fin de stream.